Ouya, bonsoir les gens, ici Kaoru Sayaka, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va se faire du SCP avec l'équipe du samedi, donc avec Naru, Shun et Naru Snake. Donc là, Saku est en mute, je suis déjà sur le serveur Discord. Ce soir, on va essayer de voir déjà si le serveur de SCP va tenir la route. Et puis voilà, on va espérer aller le plus loin possible, découvrir le jeu. Je sais que Saku découvre le jeu. Shun a déjà testé une fois. Et par contre, pour Naru, je ne sais pas. Mais voilà, on verra ensemble. Sinon, je suis en co-stream avec Naru, si vous voulez aller voir son point de vue de son côté. Et puis voilà, on va commencer maintenant. J'espère que vous allez bien. Et puis je vais aller les rejoindre, je vais me démute et puis on y va. Allez, c'est parti. Re. Surtout que d'ici là, Ouais. ce qu'ils me disent, oui, Recabru. monsieur, s'il faut reprendre rendez-vous pour que les techniciens verrassent à les répéteurs, oui, non, mais on va te mettre un doigt dans le pétou, connasse. Allez, je l'ai marqué. Je me démerderai tout seul. Non, mais ça, c'est un système vraiment idiot, quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire Bah oui. compliqué, hein. Alors, ça à coup, tu vois un monstre, tu cours. Tu te barres. Ouais. Voilà. Si tu vois pas de, si, si, si tu vois pas de monstre, tu te barres. On va être Voilà. joyeux. Ramasser le papier sur le bureau. Oh, t'as une Don't sale look at tronche quand même. me. Oh, y'a Mélodie, comment tu vas? Coucou Mélodie. Oula. Moi, je suis en Non, ça change un peu. présentation de Ouais, classe ça change B. aussi. Attends. Donc c'est F pour prendre et Tab, je crois, pour les items. Pour jeter un item par terre, faudra ouvrir l'inventaire avec Tab et le jeter en dehors. Attention. C'est quoi le but du jeu du coup? Le Se but du barrer. jeu, c'est ouais, se barrer ou survivre. Survivre, se barrer et pas se faire bouffer. Oui. Using Je vais très bien vous. Ben écoute, ça va super. J'espère que ton week-end se passe bien. Nous, on démarre SCP. Bah dis donc, ça coûte, t'as drôlement changé. Ouais, t'as vu, ouais. Elle est chaude. Oh, Ah bah mais tiens, ça vous se êtes voit que tous c'est là? des visages qui ont été collés sur. Bizarre, on a tous la même gueule. Bizarre, on porte le même Non. numéro. Et Alors bas pour. en bas à gauche, attends, je vais bouger ma cam, vous les verrez mieux. Il y a une pour les clignements des yeux, puis l'autre c'est le sprint, je pense C'est que c'est le ça. durant. Alors, le clignement des yeux, c'est automatique, mais vous pouvez l'activer manuellement avec le B. Ça va être une mécanique assez importante. Hein. Voilà. Après, c'est pas un jeu très récent, hein. Non, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il est sorti. Mais par contre, ça fait pas très longtemps qu'il est. Enfin, ça fait quoi, 3 ans, je crois qu'il est en multi. J'espère que le son n'est pas trop fort sur mon stream. Faudra me le dire. Eh les gars, si on est là, c'est à cause de Saku. Hein. Oh merde. Parce Ah que oui, avec j'en sa cousine. Bah oui. Hein? Oh On est putain. Moi je suis avec vous. Ah oui, faut lui parler. Là, je pense qu'il faut lui parler. Puis la porte là, elle va s'ouvrir après. Il est bon mon son. Super. Bon, copain, c'est bon, tu nous laisses. C'est bon. Bon. Alors Sean, je pense que Sean et Naru, vous le connaissez celui-là. Oui, vite fait. En Moi, je connais gros, rien du tout, moi, au CP, moi. alors, pour ce mob-là, c'est le seul auquel je connais bien. Vous voyez la tête de ressort sur l'étal? Oh Ouais. putain. C'est pareil.
Sauf que lui, il va pas vous suivre comme ça. Lui, à un moment, il saute épée, etc. Voilà. Il faut le regarder, quoi. C'est ça. Il faut toujours qu'il y en ait au moins un qui le regarde. D'où le fait que j'avais dit que le clignement des yeux, ça va être un élément central sur le... sur le jeu. Je crois que là, il faut que je lui parle. Ouais, c'est ça. Il faut que je lui parle. Hop. SCP 173. Oh, le bla. Il est beau, hein. Alors. C'est de toute beauté. Il est beau, hein. Alors, vous en faites pas. Les deux autres vont crever. Mais c'est chier dessus. Ouais. Ah, justement. Il a le cul marron. Fais pas le malin, Harry. Regarde, il a chié partout. T'aimes trop les SCP. C'est excellent, SCP. Je connais pas 100% non plus, parce que c'est juste que j'adore passer du temps dedans. Voilà. Ah. Il est beau, regarde comme il est beau. Regarde sa cou. Non. Regarde sa cou. Ah bah voilà, il m'a tué. Bah voilà. Il m'a tué aussi. Bon bah il m'a tué aussi. Bon bah voilà. Ah bah c'était... cause du décès, fracture. Alors, est-ce que vous arrivez à faire apparaître Moi, je dis faire apparaître, il se passe rien. Mais... ouais, c'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Et on va faire quitter. Hop, je vais refaire. Hop. Ah, ça dit, le serveur ne répond pas. Ouais, ça ne répond pas. Ouais. C'est bon. Je l'ai recréé, j'ai désactivé l'intro. Mort dès le début. T'as vu ça? Oh, on a été loin. On a été loin. Du coup, faut rejoindre à nouveau. C'est ça. Ouais. Donc, en gros, avec celui-ci, là, il fallait qu'on le garde en visuel. Il faut toujours qu'il y en ait au moins un qui le garde en visuel. Comment ça va, Ivy? Bonjour. C'est ça. Faut toujours qu'il y en ait au moins un qui le garde en. En vue, d'où le fait que un peu plus tard, faudra certainement qu'on se coordonne vis-à-vis du clignement des yeux. Si jamais on le rencontre un peu plus tard, faudra qu'on se coordonne. Bon bah voilà, on a été baptisé, c'est bien. Bon, en ce qui me concerne, j'ai déjà été baptisé. Hein. Sauf que moi, c'est une autre bestiole qui m'a. T'as été jusqu'où? J'avais avancé dans quelques salles et après, comment dire, il y avait une chose rampante qui m'a bouffé. Ok, d'accord, je vois. Dans les sous-sols? Ouais. Ah ok, bah c'est là auquel on s'est arrêté avec Ivy le mois dernier. À un moment, moi, c'était, il y avait une sorte de silhouette qui est sortie du sol. Elle m'a pourchassé, j'étais en train de monter dans l'ascenseur et elle m'a suivi puis elle m'a tué. Je pense pas qu'ils apparaissent dans l'ordre, ils doivent avoir une part de RNG. Oui, je pense. Oui, il y a beaucoup de RNG. Après, ouais, en avoir plusieurs en même temps, ça peut être possible, mais. C'est procédural, de toute façon. Ce n'est pas beaucoup de jeux. Il y a Sean qui a pas rejoint. Hein. Si, on l'attend. Il est en train de charger, je pense. Ah, ouais. Oui, ça charge, oui. Pardon. Ok, donc là, ce sera par là, hein. Par là et après à droite. C'est tout noir. T'entends les cris. Ta gueule. Quoi? Parce que là, on a passé l'intro, là. Ouais. Parce qu'en fait, on est mort pendant l'intro. Là, je l'ai désactivé là l'intro, hein, parce que techniquement, une fois que s'il y avait au moins quelqu'un qui aurait survécu, les lumières se seraient éteintes, les portes seraient ouvertes et puis on serait là. On aurait juste vu la sculpture en train de tuer les gardes au-dessus et c'est tout. Sean est là ? Non, c'est en fait si tu veux, comme tu l'as dit, pour moi les serveurs sont en carton, alors forcément. C'est ça. Le plus dur en fait, c'est de démarrer en fait. Ça, voilà, c'est le démarrage qui est long et forcément le chargement est long. Bah de toute façon, tant qu'on bouge pas d'ici, on craint rien.
C'est pas. Alors, je vais pas m'avancer, mais c'est pas impossible que la sculpture vienne quand même. Ah, ben le voilà. Voilà, il est. Et ben voilà. Ok, ah. Alors on peut y aller. Donc là, la sculpture, elle était là. Elle est là. Elle est là. Où ça, là? Là. Ah oui, là, d'accord. Là, c'est sculpté. Il a des pop. Voilà, à partir de maintenant, on est livré à nous-mêmes. Okay. Pas mal de jumpscares, je suis pas sûr qu'il y ait des jumpscares sur le jeu, mais. Pas spécialement, non. À mon avis, quand tu meurs, c'est d'un coup, hein. T'as pas de monstre qui te crie à la gueule. Ça dépend des. Voilà, ça dépend du. Ça dépend des mobs. C'était quoi, ça? Un cadavre. C'est quelqu'un qui séchait et il est tombé. Un conseil comme pour l'étal, fermer les portes souvent si de temps en temps il y a certains mobs qui. Ah, bah voilà déjà un SCP. Ah. C'est quoi un SCP? Faut fermer les portes. Je sais pas les fermer les portes. Il y a des petits boutons. Bah oui. Je crois, je sais pas, je suis pas où. Mais vite. J'arrive pas à appuyer. Bien, t'inquiète, c'est ouvert. Bah moi ça. Ah putain. Bon. Je la crois, terre. Ouais. Ouais. Ah, le bouton apparaît, il marche là. Qui c'est qui est mort là? Bah, moi je suis mort. Morte aussi. Comment ça se fait? Bah, le nounours, bah, il suffocation. Ah bon? Bah, je reviens au début. Ah j'ai vu Nao, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un fantôme. Alors moi je suis repopé au début hein. Ouais. Oui bah moi aussi. Oui, oui, on revient toujours au début hein. Bah je vous vois pas. Bah descends. On va prendre le chemin qu'on a pris. Voilà. Ah. J'en connais que deux ou trois hein, de CP. J'en connais un, c'est l'homme timide. Dès qu'il vous voit, il vous pourchasse et jusqu'à temps qu'il. Un peu comme Jester. Ah oui. Oui. Dans l'état. Pour le reste, je connais pas trop. Ça va, Ivy, t'as pas trop peur? Bah, je joue pas, ça devrait y aller. SCP 427, SCP. Donc là, il faut une carte. Punaise, en plus, le cadavre reste. T'as vu ça? Et t'as même des serveurs publics, je crois, où tu peux te retrouver avec des inconnus. Ouais. Tout, ouais, ouais, c'est ça. On va dans l'ascenseur. Ah, je sais pas, moi je connais pas du tout. Ascenseur. Bah, il y a des lobbies en fait, il y a des seeds différentes et bah, c'est totalement aléatoire. Hein. Les maps sont aléatoires, tout ça. Mmh. Là, je connais pas, tu vois. C'est relativement sombre, hein. J'espère que vous voyez bien sur le stream. Moi je vois bien de ton côté. Alors, j'avoue que montrer un peu les gamins parce que je me doutais que c'était un peu sombre. Ah, il y en a une, elle a pris un doigt dans le pétou. Attention. De quoi que se passe derrière nous, c'est un rampant. C'est un rampant. Ah, sauf qu'il peut. Ah non, il va me tuer. Non, il va me tuer. Il est morte. Il faut faire quoi avec lui? Fuir. Vous êtes vivant? Oui, oh, oui. Non. Je suis vivant. Salut Naru. Je suis vivant. Du début. Ah, carrément du tout début avant l'ascenseur. Mais ouais. Ça a l'air plus sombre que quand on y avait joué. Tu crois? Voilà. Moi des lunettes de vision nocturne. Vas-y, prends. Alors si, il y a un chat vocal sur le jeu. Alors par contre, moi là, je vais mourir. Ma vision se trouble. Je suis toujours au même endroit en bas. Ma vision se trouble. Bah tu me diras, je crois que je vais bientôt pas tarder à mourir aussi. Oh, ouais, moi je pisse le sang. Ah bah. Salut. 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 J'arrive pas à interagir, moi. Faut faire clic gauche, en fait. Mais
Vous vous sentez faible à cause de la quantité de sang que vous avez perdu. Ah. Adieu. Adieu. Adieu, monde cruel. Oh non. Tu veux remonter ? Oh bah écoute, j'aimerais bien mourir en haut. Je suis en train de pisser le sang. Pas grave. Bon, oh, vous êtes là. Là j'ai fermé, il y a celui qu'il faut fixer là. Je l'ai vu. Peut-être par là, non ? Ah, t'as vu la sculpture ? Oui. Ah. J'ai vu la sculpture. Attendez, moi il faut que j'augmente un peu les gammas. Graphique. Il était dans le couloir là-haut. Oui, il a dû dépop. Ah bah je suis mort. Ah bah super. C'est pas grave, c'était qu'un con. Alors, je vais profiter, je vais augmenter les gammas. Vous me dites sur le stream. Je pense que certains oui, d'autres non. Voilà. Alors, sur certaines portes, il faut des cartes. Non, mais il demande si les SCP peuvent ouvrir. Oui, les SCP peuvent ouvrir. C'est quoi les gammas ? C'est on va dire la luminosité de... C'est ça. Là, faut une carte, je pense, du coup. Ouais. Alors, tac. C'est bien pour se repérer parce que tous les couloirs se ressemblent dans ce... Ah bah oui. Je suis derrière toi, Sean. Hein. T'es en train Oula, de ramper. C'est quoi ça ? Ah d'accord. Oui, je suis en train de crever. Il s'est fait électrocuter. Vous êtes tous les gens. On a vu un mec se faire électrocuter. Ah bah. Sean, t'es mort de... Bah, je me suis vidé de mon sang, donc... Là, on peut ouvrir. Fallait boucher les trous. Bah, j'avais mis mon doigt dessus, mais bon, ça suffisait pas. Sako, Naru, vous êtes... la sculpture, elle vous a tué. Ah bah super, bah je l'avais pas vue. Bah on l'a pas vue du tout, oui. Elle pas vue, pas entendu. Elle vous a vu, je viens vous rejoindre. Tu reviens au début ? Ouais, bah oui, en plus, vous y êtes tous. Bah je vous attends. Salut Naru. Vous pouvez descendre, je suis là en bas. Ah d'accord. Ah bah voilà qu'il y a au rue. Ah ouais, la pop au moment du clignement, moi je l'ai pas du tout vu donc... Ah souvent il est fourbe, bah, il se met dans les coins et puis... Ouais. On essaye à droite pour voir. Ah c'était pas où on était parti avec ça. Ah bon d'accord. La fin de clé... Moi j'étais à gauche avec Sean du coup. Et du coup le mec qui s'est fait électrocuter, on l'a vu pas très loin d'ici. Je sais plus... Oula. Ah oui, ça c'est des... La fringue carte. Ouais, non, c'était pas par là. Ivy, t'es sûr tu veux pas venir faire un tour ? On est plus nombreux là, t'inquiète. T'inquiète, on va pas mourir. Ça a changé aussi. Oh, il y a un Jean. Où ça ? Là. Bah, il est parti. Ah, d'accord. Ah bah, il s'est fait capoute. Là, il y a un masque à gaz, il y a une clé de niveau 1. Ah, la clé... de mémoire, la clé, si on arrive à trouver une grosse machine, on va pouvoir l'améliorer. Et là, il y a une batterie 9 volts. Il y en a même deux. Ouais, il y en a même deux. Je vais prendre la carte de niveau 1. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, ok, bon, bah garde là. Ah, vas-y. J'ai pris une batterie. Prends-la. Eh ben, attends. Je l'ai pris. Ok, d'accord. Là, on peut descendre au pire. Ou on descend après, c'est vous qui voyez. Bah, ça, c'est une configuration qu'on a mis. Ah, y a le mec, il y a la sculpture là-bas, ouais. En bas. Elle est là, la sculpture. Oui, elle est là. Là, alors... tu te mets là où. Là, il est là. Ok, bah alors, hop. Ah, oui, d'accord, je la vois. Ok, bah on va continuer. On peut passer par là, peut-être. Ouais, on va continuer. C'est l'option qu'il a coché, du coup, pour la garder. Oui, c'est oui, tu as le droit de cocher l'option pour garder tes items. Sinon, tu les perds. Hein. Oh, j'ai entendu un. Oui, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un strut. On va fermer la porte. Il y a là un émetteur radio.
récepteur, récepteur. Alors, document SCP-372. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Personne ne le prend, l'émetteur? Alors, c'est une cellule de 5 mètres sur 4 sur 2, renforcée en plexiglas. À l'intérieur des 4 murs. Oh, je suis un peu nul en anglais, hein, mais apparemment il y a quelque chose avec les infrarouges, détection infrarouge. Oh, compteur. J'ai eu un succès là, je sais pas. SCP-372 est une créature au génie inconnu, approximativement de 2 mètres, qui prend de la tête à la queue et approximativement 45 kilos. Il est long, il a un corps avec 8 paires de... Narrow, c'est quoi Narrow c'est pas en français les instructions? Non. Super. Narrow. Ah bah super. Je en français, mais pas tout. Narrow avec 8 paires... Ah oui, une limbs. C'est quoi limbs? Ah oui, avec 8 paires de membres et 3. Ok. Un poulpe. Ouais, surtout, on va dire que c'est un poulpe. Je voudrais pas vous déranger, surtout, même si honnêtement, je pourrais réessayer le jeu. T'es sûr? Tu viens? J'éviterai, moi, de rentrer à ce qu'on y reste trop longtemps ici. Tiens, il y a une caisse là. Il dit ça alors qu'on attend depuis 10 minutes. Oui, bah j'ai essayé de lire, moi, monsieur. Hein, je suis un prisonnier comme vous, j'ai pas la science infuse. Ça c'est par où qu'on vient? Ouais. On n'a pas fouillé là. Alors. Il y a une alarme. Ouais bah c'est. Là c'est fermé, là il y a une porte. J'ai entendu un bruit. Alors. Ah oui, alors la note. La partition. Dès que vous entendez la musique, faut vous barrer. Parce que sinon, elle vous envoûte et vous mourrez. Voilà, mm-hmm. Si jamais vous... C'est qui a la carte magnétique? C'est ça. C'est moi, du coup. Je sais pas comment... Alors, tu fais tab, tu double-cliques et normalement, tu vas pouvoir cliquer dessus. Sur le petit... le petit... Ah oui. Et du coup... Tu cliques... Ah oui. Voilà. Et si ça veut pas, c'est juste que on n'a pas le level. Arrêtez de me bully. Non, bah on n'a pas le level. Niveau 3. Ok. Oh, c'est pas pour maintenant. J'ai regardé vite fait, ça ressemble un peu à un insecte. Ah. De quoi un insecte? Le SCP dans la cage là, en plexiglas. Ah. Oula, on a différents choix ici, hein. Je vote pour aller tout droit. Quand il m'est arrivé quoi là? Il rien arrivé? Bah non. Derbir. Regardez là, il y a. Bulderbir. Ouais. Alors là, normalement, c'est. C'est là que, normalement, si je dis pas de bêtises, il nous faut une carte de niveau. Il y a quelque chose derrière cette porte. Supplémentaire pour. Ouais, ça c'est niveau 1. Je crois. Rien ne sait pas. Ouh, qu'est-ce que c'est? Bon, bah pas ici. Oh, ça doit être des effets de peur, des machins comme ça. Mm-hmm. Ah oui, hein, bah de toute façon, rien que l'ambiance là, ça doit s'entendre. Vous êtes où là? À gauche, on est parti sur la gauche. Là. Regarde, ouh, là. J'ai entendu du bruit ici. Ah, attention. C'est rouge. Oh, il y a la sculpture. Oh merde. Viens. Il y avait une autre porte par là. Ah bah bravo. C'est là qu'on vient. Ah oui.
Oula. Bah, pas trop le choix. Ouais, on va essayer de... Il est peut-être parti. Peut-être. Je le vois plus en tout cas. Ok, bah il s'est TP alors. Il y a un bouton là. Il est là. Oh, oh la vache, oui. Ok, je suis à moitié, je suis à mi-barre là. Moi je suis barre pleine. Mi-barre. Attention, je vais cligner. C'est bon. Je cligne. Je cligne. Ok, allez-y. Attention, je vais pas tarder à cligner. Oh putain, oui, il est là. Je vais cligner. Assez vite. Voilà. Tout le monde a passé la porte. Non, pas, oui. C'est bon. Je cligne. Alors, du coup... On tourne en rond, non ? Bah, j'ai l'impression, oui. Bah ouais, c'est... Ah, ça, c'est l'œuvre d'un SCP, si on tourne en rond. Ah, là, ça change un peu, là. Là, il y a un ascenseur. Ouais, avec un mort dedans. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne sur un couloir de l'infini. Ouais, alors, la grosse tâche, là, je pense qu'on devrait éviter de... De trop s'en approcher. L'ascenseur ? Le... La porte, elle s'est fermée toute seule. La tâche par terre. Ouais, la grosse tâche par terre. Je vais essayer de... Hop. Y'a quoi dans l'autre côté là-bas? Je vais regarder. Même type de couloir? Ouais, le même type de couloir. Je pense que c'est l'œuvre d'un SCP de... à ce qu'on aille en boucle. Ouais, hop. Bah on va prendre l'ascenseur. Ouais. Ascenseur. Ah, bah il semble cassé. Ah, bah, super. Bon, bah on va partir par là. Hein. Sean ? Ouais ? T'as quand même une mauvaise mine. Hein. Tu t'es pas regardé ? T'as la même gueule. Ouais, ça c'est l'œuvre d'un SCP. Si on tourne en rond, c'est l'œuvre d'un SCP. On va partir par là. Hein. Il nous fait tourner en bourrique. Et c'est voir ta carte là ? Niveau 3. Faudrait qu'on trouve la machine pour la créer en niveau 2. Mm-hmm. Je crois qu'on est revenu sur nos pas là. Je pense que c'est nos traces de sang. Ouais, ce sont nos traces de sang, ça. Bon bah on redescend où on était tout à l'heure. C'est peut-être le chemin. Hein. Bah écoute, moi je vois pas d'autre plus. Une porte, il y avait une voie en plus. Des voies, il y en a plein. Je vous conseille de vous accroupir. C'est comment pour s'accroupir? Contrôle. Comme sur l'étal. Ah, puis c'est basique à beaucoup de PC, ça. Elle était partie, la grosse bait. Non, non, elle n'est pas partie, la grosse bait. Elle revient, la grosse bait. Merde. Elle est où? Elle m'a bouffé. Ah. Et je crois qu'elle a attrapé sa cou. Là, je suis Naro, moi. Oh. Ah. Ah. Il nous montre ce croupion. Oui, ben on va... On va aller voir par là si j'y suis. Ouais, elle est partie en tout cas. Elle est là. Elle est là. Elle tourne en rond. Je suis au niveau de l'ascenseur. Hein. Ah bah tu peux redescendre. Quand tu sors de l'ascenseur, tu pars sur la droite. Encore sur la droite. Tu vas au fond et tu vas à gauche. Elle est en face. C'est une grosse grenouille, ouais. Ouais. C'est bon, les gars. Attends. Par contre, j'ai l'impression que c'est tout fermé là. Après le tuyau, c'est à droite, c'est ça ? C'est ça, à droite. Il y a des leviers là.
Je vais essayer de te suivre. Enfin, je vais essayer de venir te chercher. Sean, t'es avec? Non, je. J'ai essayé de retrouver l'ascenseur. Ah. Salut, joueur, comment ça va? Ah, ouais, ça coûte, t'es là. Ah. Naru est là. Il y a un levier là-bas, mais j'ai pas réussi à bouger. Oh, ça va, joueur. Oh, y'a. Je vais essayer de retrouver Sean. Pas par là. Oh, y'a Futaro. Oh, hello. Là. Je le vois. Tu le vois? Oh. T'es où, Sean? T'es encore en haut? Ouais. Ah, ok, j'arrive. Ça c'est chiant, j'ai quoi, un petit, le chemin. J'ai trouvé un petit raccourci pour skip la fumée. Hop. C'est ouvert ici. Mm-hmm. Comment ça va, Futaro? Bonne neuf, joueur. Demi-tour. Oh putain. Là, bien. Fais gaffe. T'es morte? Oui. Je me suis jeté dans sa gueule. Bah, bravo. Mais écoute, si je cours, il est juste devant moi. Tu veux que je fasse quoi? Bon bah tu peux descendre, hein. On est juste en bas. Non, Sean, non, tu n'iras pas sur l'ordinateur. Non, c'est pas le moment. Oui. Non. Mais joue à Fortnite. Ah ouais, mais joue à Fortnite. Parle les persos. Oui, j'entends des voix, mais je sais pas du coup si c'est nos persos ou si c'est le monstre qui essaye de prendre notre. Le contrôle de notre corps. Qui essaye de parler à notre place. Ça va alors, ça se passe bien, CP. Je pense que c'est le monstre qui essaie de nous imiter. Je pense, ouais. On va dire que ça avance. Petit à petit. Bah moi, je survis bien en bas. Vous pouvez venir, hein. N'hésitez pas. Hein. C'est assez cosy. Vous êtes où? On est à l'ascenseur. On prend l'ascenseur. Bienvenue au rez-de-chaussée. Vous êtes arrivé. Tiens, cadeau, ça coûte. Oui, mais merci. Sinon, on peut passer là, apparemment, de ce que je vois là, en sautant. Oh, attention, il est là. Bah, il y en a au moins 3 en fait. Bah, je pense, oui. Ah, je peux pas sauter au-dessus. C'est quoi ça? Recule. Il vient sur nous. Merde. Vous êtes où? Ne venez pas vers nous. Je sais pas où vous êtes, hein. Bah, on en a encore croisé un, quoi. En fait. Ah oui, c'est bon, on vous voit. Bah, il est là-bas, là-bas. Attends. En fait, il tourne. Regardez, là, il y a une ombre là qui sort. Oui, du sol. Oui. Oh, si elle vous attrape, vous êtes mort. Ah, pff, ouais, bah, un peu comme tous les SCP, quoi. Non, il y a des SCP qui sont ok. Qui sont pacifistes? Ouais. Ah, purée. Alors faites gaffe parce qu'ici, il y en a un qui tourne aussi tout autour de la pièce. Ah, bah, c'est là que je suis morte, oui. Bah, je suis morte ici. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas une. On peut pas s'ouvrir ici. Fais gaffe, Sean, parce qu'il y en avait un dans ce couloir là aussi tout à l'heure. Ouais. C'est quoi ça, cette musique là? C'est quoi? Ouais, c'est vrai qu'elle est de plus en plus menaçante. C'est Jumanji. Sur les tam-tams. Ah. Ah, quoi? Il est en train de croquer un rumsteak.
oulala, oulala. Je vais mourir. T'as ta carte, Sakou ? Je peux pas appuyer sur le bouton ? Oui, oui, il est juste derrière, attention ! Ah ! Merde ! Vous avez déjà appelé l'ascenseur. Moi, il y en a un qui m'a croqué un rumsteak. D'accord, je vois flou. Ah, ça, ça veut dire que t'es en train de te vider de ton sang. Ah, super. Moi, je suis dans un drôle d'endroit. Ah, ouais, c'est pas comme moi. Dans une autre dimension. Exactement. Enfin, j'ai l'impression aussi d'être dans une autre dimension. C'est... Ah, je te vois net, Sakou. Ah oui, t'es là. On est à la croisée des chemins. Il y a plein d'entrées. Ah bah voilà. Il y a plein de portes. Oula, puis je marche. What? Je marche bancal. T'as l'air de t'y connaître en SCP, Gabi. Ouais. Tu vois, il connaît SCP, il vient pas. Mais il a peur. Il faudrait peut-être essayer d'avancer, mais où? Je sais pas. Moi, je me suis fait bouffer. Hein. Bah, nous, on est dans une autre dimension. Moi, je suis dans une dimension, mais tout est fermé, quoi. Oula. Oula. C'est chelou, hein. Ils ont fumé quoi? Je sais pas où je suis. Hein. Alors, les gens, si vous voulez voir le point de vue de chez Naru, voilà son lien. Loup. Et merde. Moi, je peux rien faire dans cette pièce, donc. Il y a une sortie, il y a certainement une sortie. Sean est mort dans la dimension. Mmh. C'est ça. Ouais, moi je sais pas du coup. C'est eu Kaoru. Je suis dans une pièce. Ça va. C'était bien ouais. L'enfer. J'avais l'impression d'avoir fumé un joint et de plus voir ce que je voyais. J'ai vu un truc là. Oh putain, qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas, là dans le mur j'avais vu un truc. Alors soit c'est un bug ou alors c'est moi qui suis. Ouais non, moi j'ai beau faire le tour de la pièce, j'avais aucune sortie. Hein. Moi j'essaye de sortir mais ça veut pas. Oula. Moi je m'évite de mon sang de toute manière. Donc... Je sais pas ce que je dois faire. Bon, on a déjà la carte de niveau 1. On essaye d'avancer, nous, Sean, en attendant. Ah, on peut toujours essayer, mais bon. Chelou, hein. Est-ce que j'avance, au moins. Et No Man's Land. Escapade the Old Man's Rocket Dimension. Pocket. Ah bah d'accord. Tu t'es échappé. J'ai réussi, ouais. Bah GG, j'ai jamais réussi, moi. Bah... Je suis arrivé dans une petite pièce blanche ensanglantée, il y avait juste une entrée devant moi, puis j'ai avancé, et puis j'ai réussi à m'en sortir. Il se passe des choses bizarres ici quand même. Ouais. Alors ouais. J'ai trouvé... Ah, une carte clé niveau 3. Oh. Et des batteries. Il m'a emmené là. Par contre, je sais pas du tout où tu es. Moi non plus, je sais pas où je suis, mais je suis dans une pièce où il y a du loot. Enfin, où il y avait du loot. Trousse de premier secours. Ah, ça c'est bien si jamais tu... J'ai eu des gouttes oculaires aussi. J'ai cru que tu avais des gouttes oculaires. Oui, moi aussi. j'ai eu des gouttes au cul. Ah, ça y est, je suis mort. Ah, bah on va aller chercher Naru. Du coup, je sais pas où je suis. Bon, ça coûte, tu meurs pas, hein. On va essayer... On arrive sur l'inventaire, mais... On arrive. Je sais pas où. Je suis dans un sas. Là, je sors du sas. Ok. Oula, je vois flou. Pourquoi je vois flou? Alors peut-être que tu es en train de te vider de ton sang. Ah. Vous êtes redescendu en bas ou? Merde. Il m'a tué. Je sais pas. Il m'a fait peur, ce con. J'ai ouvert la porte et était pile en face de moi. L'ascenseur semble cassé, bah super. J'arrive, Naru. Je suis. Ah bah t'étais à l'endroit où on tournait en rond tout à l'heure, du coup.
Quasiment, ouais. On avait pris par la droite, mais y avait la sculpture. Oula. Bah, je crois que j'ai réussi à la faire disparaître. Ouais, bon. Bah, je vais essayer de rejoindre Naru, puis. Alors, je suis parti sur la droite. Moi, je suis au niveau de l'ascenseur, du coup. Ah, bah. C'est... Là, il y a Sean. L'ascenseur, il était vers la gauche. Il me semble, oui. Par là. Ah bah d'accord. Il m'a fait peur. Bah ce serait bien qu'on retrouve ça. Ouais. Au moins elle a la carte de niveau 3, donc si jamais elle meurt, elle va pouvoir nous ouvrir des portes. Et si jamais on cherche notre chemin, on a l'ascenseur toujours... est là. Ouais, on a toujours le la ouais, porte. Je pense qu'il est à cet étage-là, du coup ça coûte. Bon, on peut chercher. Hein. On peut chercher. Sinon, il y a toujours là auquel on avait vu un gars se faire tuer en descendant par la sculpture. Je vois flou, je vois flou. Là, tout à l'heure, on a vu un mec se faire tuer avec sa coupe. Ah bon? Ouais. Viens. Ah oui, attends, t'es où? Ah oui. Vous sentez faible à cause de la quantité de sang que vous avez perdu. Oui. Bon bah, je vais crever. Hein. Ah, bah Naru s'est fait tuer par... Ouais. Il a disjoncté. Ouais. Ça, je sais pas si ça se désactive ou pas. Ça se désactive, ouais. Il doit y avoir un moyen. Ouais. Je vais mûrir. Bah, si tu meurs, de toute façon, on pourra se rejoindre. Ouais. Je sais pas où je suis. Par contre, la tuyauterie, elle fait peur quand même. Putain. Ça dépend si c'est marqué Bamako dessus ou pas. Non, 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 non. Le barbare de Bamako. On va essayer de chercher Naru. Oula, ah. what? Il fait tout noir. Oui. Ah, m'a tué. Ah bah, la sculpture t'a tué. Salope. Bon bah du coup on va venir vous chercher hein, puisque du en même temps je voyais flou, je voyais plus rien. Bon, ouais. Je suis au début. On arrive hein, du coup. Bah attends, KO, moi il faudrait déjà que j'arrive à te retrouver. Attends, j'arrive. Je t'ai perdu de vue. Perdu de vue, Jacques Pradel. Voilà, c'est bon, je te vois. Bon, ils vont se confier, ce jeu est pas pour moi, trop glauque, trop sombre. C'est le système de ventilation, t'inquiète pas. Oh, putain, il m'a fait peur. Mais non, regarde, il y a plein de licornes. Bon, en vrai, ça. Après, moi, je suis pas réceptif au bout d'un, mais je trouve pas que ça fasse peur. C'est bon, en vrai. On est là. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de redescendre ou sinon on essaye de prendre l'autre porte? Bah, maintenant qu'on a une clé de niveau 3, on peut peut-être essayer d'ouvrir des trucs qu'on pouvait pas ici. On peut toujours essayer, oui. Sakou, genre là, il y a des Sakou. Portes là. Sakou qui nous sauve. Sakou. Ah bah, t'as de la chance que oui, je sois ressorti sauf de ce truc. Parce qu'il m'a emmené dans une belle salle de loot. Hein. Il y a du sang par terre. Ouais. Non, c'est dans ta tête. Tiens, là, il y a un autre truc là. Là, il y a des notes. Alors, SCP-427. Là, t'en as un là. Ouais. SCP est un petit. Est une petite. Un petit pendentif. Et ne semble pas servir à une quelconque fonction. J'ai un espèce d'anneau qui s'appelle SCP-714. Ah, c'est bizarre. Bah, c'est pas le dossier que t'es en train de lire ? Non, moi c'est le 427. À long terme. Alors, s'exposer à long terme. Produit des effets sur la santé. Hazard en anglais, c'est radioactif, je crois. Hein. Des effets radioactifs. Là, ça coûte à des portes là.
Alors, classe 10 personnel. Ah, faut croire. Je connais pas du tout le SCP, Gabi, donc. Oui, oui, les SCP, ce sont des objets ou des monstres. Bah là, il y a un autre SCP objet, là, apparemment. D'après ce que j'ai pu essayer de lire, je pense qu'au bout d'une heure, si on est trop exposé, enfin, exposé trop longtemps à un des médaillons, ça a des effets sur notre santé mentale ou sur notre vie. Alors du coup, le SCP-860, c'est une clé. Normalement, il devrait y avoir des documents pour essayer de nous... Tiens, il est là. Ça, c'est le 1025. Alors, arrêt cardiaque. Connu sous le nom de... Bah voilà, j'ai eu un arrêt cardiaque. Ah merde, il est mort. j'ai lu le bouquin d'arrêt cardiaque, bah voilà. Ah purée. J'arrive. Ah, oh, il y a eu un lag. On est au niveau de l'ascenseur du coup. Ouais. Ouais. Bon bah du coup, le bouquin c'est le Death Note hein, en gros. Je crois oui. vous étiez parti à gauche. Ah, moi du coup j'ai un espèce d'anneau vert et une clé bleue. Faudra non. Faire gaffe. Dès que si on trouve les documents pour attendez, mais vous étiez là, non? Et un autre ascenseur plus loin. Ah bah, la route est là. Et là par là. Mais oui, les SCP, ça peut être des monstres, ça peut être des objets, ça peut être des pièces carrément. Un escalier peut être un SCP aussi. Dans SCP, il y a aussi des classes, je crois, que c'est plus safe ou plus dangereux. C'est ça, tu as le pied. Ouais, il y a la sculpture. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sculpture. Attention. Il y a une porte si tu vas à gauche, ça coule. Je vais cligner des yeux. Moi aussi, je vais pas tarder. 2, 1, je cligne. Là, la porte. Je vais cligner, moi. Vas-y. Attention, je vais cligner. Ouvert. C'est bon. Je vais cligner après. C'est bon. Cligne. Yeah. On peut pas fermer la porte sans clé. Ferme la porte. Il y a le badge d'Emiros, là. Emiros, ouais. Je l'ai pris. Il y a deux portes à ouvrir, là, si on veut. Ouais, attendez. Ah, il y a quelqu'un qui est malade. Sécurité 4. Oui, c'est moi. T'as un objet spécifique? Ah non, attention. Attention, Naru, il y a une. Il y a l'ombre. Ouais. Quelqu'un peut fermer la porte? Il faut la clé. Poussez-vous. Ah. Mais il m'a tué. Putain. Merci. Il y avait un autre SCP dedans, du coup. Ah bah vous êtes dans la dimension. Ah, cette sculpture de merde. Je t'avais dit hein, que t'allais le voir souvent. Oh, il est chiant. T'as fait sursauter le chien. Eh bah excuse-moi. Ah, il était resté là, le culé, là. Nous on a mis en difficulté normale, hein. J'ai mis Euclide, histoire qu'on s'amuse un petit peu. Pas enquêteur, parce que sinon enquêteur on s'en sort pas. Bon bah on va essayer de... Non mais l'ombre qui pop là quoi, sérieux. Ça va aller... Elle te veut que du bien. Bah, écoute, moi j'ai spawn dans des... Dans des limbes. Ouais ouais. Bah, tu te prends une porte, et puis si jamais t'arrives dans un endroit étroit, blanc, taché de sang, bah tu suis la seule porte devant toi, puis t'avances. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Après, je sais pas si c'est. Si c'est RNG, j'en sais rien. J'y suis jamais allé, moi. Alors, moi, j'ai atterri dans un espèce de labo. C'est quoi que j'ai entendu? Je sais pas.
Il y a un truc tout nu qui en veut à ma vie. T'es où? Tout nu? Moi je suis là. Vous avez tous entendu ou il y a que Saku et moi? Bah on n'est pas vers vous donc. Ah parce que nous on a entendu une sorte de petit, on va dire de petite mélodie flippante. Oula. Ah, bah, là on y est, t'es déjà. Pas par là. Il est là, la statue. Oh. Là. Ah oui, d'accord. Vas-y. Je vais cligner. Vas-y. J'ai vu des mods sur l'état de compagnie que l'on ajoutait. Oui, et on peut mettre des SCP dans l'état de compagnie, j'ai vu aussi. Ah, salut. Il est là. Salut. Il y a la statue par là. Hein. Ah, du coup, là. Moi j'ai toujours mes SCP, anneau vert et puis SCP clé bleue. Ouais, faudrait qu'on sache à quoi s'ils peuvent servir. Non, bah, c'est on est vers le début là. Par contre, on a perdu Sean. Bah oui. Bah lui, bah de toute façon, on a été TP par le truc là, donc. Moi j'étais dans d'autres couloirs, moi donc. Moi je suis dans un espèce de labo. En plus j'ai la sensation que quelque chose me suit. Ah. De toute façon si on s'en sort des limbes, t'es TP ailleurs et puis après bonne chance pour essayer de retrouver les potes quoi. Bah c'est ce qui m'est arrivé moi en fait. Ah j'ai moi c'est juste... pareil. J'ai juste été tué par un truc. Moi ouais, vous en êtes sorti. On suis sorti, il m'a TP dans une salle de loot et vu puis. Vu comment que j'étouffe à mon avis je vais pas tarder à crever. Puis je suis morte bah, des suites de mon décès. Hein. Parce que je suis mort. C'était dans une pièce à peu près comme ça, mais pas de tout dans le même genre. Ah bah, je suis mort par SCP-096. Je sais pas. Alors, comment. Moi j'ai été tué par une espèce de goule blanche. Ah bah t'as vu la même goule que moi. Toute nue. Donc, voilà, exactement. SCP-096. Ah, toi aussi? Ouais. Mais SCP-096, c'est pas le. C'est pas le. Comment il s'appelle le... L'homme timide, je crois. Peut-être. Mon acier, permanence, vérification hebdomadaire. Attendez, hein, j'essaye de me renseigner sur le wiki français. C'est bon de l'ouvrir, ça. Ah, ouais. Ça s'ouvre. Hein. Ça s'est ouvert. Salut, Kaoru. Salut. La mâchoire. Ah, oui, c'est l'homme timide. SCP-096. Ah, ça demande un code d'accès. Ah, mais pas le code. Alors, en gros, l'homme timide, si jamais vous la voyez, en gros, dès que vous voyez son visage, elle va vous pourchasser jusqu'à la mort. Bah, super. Bon, ouais. Faudra trouver un code. Un code à combien de caractères? 4. Bah, essayez-les tous. Bah, oui, combiné. Ah! Oh putain, encore l'autre qui sort du sol. Oh bah pff, c'est bon. Au revoir. Salut Saku, je t'aimais salut. Bien. Mais... Moi aussi, mais... Le devoir m'appelle. On va la chercher, on est juste à côté. Ouais. Putain. Bah elle est pas morte, elle est juste épée dans les limbes. Hein. Ah. C'est ça, faut s'en sortir quoi. Ah bon. Ah non. Vous avez de la chance. Hein. Alors, je sais pas si on peut catégoriser ça de chance, mais... Je sais pas non plus. Hein. Oula! Parce que vu oula, où est-ce oula. Qu'on peut réapparaître, ça peut être problématique. Ok, mais ça c'est pas la même pièce du coup. Hein. Ah, tu peux peut-être trouver du loot. Hein. Oh, je suis encore dans les limbes. Hein. C'est pas super. Non, mais tu sais, selon où tu te re-TP, tu peux peut-être trouver du loot hein, vu qu'on garde l'inventaire. Quand là n'était pas fermé. Ouais. Je vais faire des cauchemars. Mais non. On est bloqué ici. Après, j'ai un badge sur moi, celui de Emily Lange. Oh, oh putain, la caméra, quoi. Tu peux pas l'examiner, voir s'il n'y a pas un code dessus? Ouais. Comment faire pour examiner? Tu double-cliques dessus, je pense que... C'est quoi le nom? Je vais essayer de rechercher. Alors, Ross, Emily, Sharon, occupation assistant, rechercheur. Aïe. Expiré le 27-10-2022. Mort. Identité number 019-010-405. Ah
oui. Level 2. Il vous faut un code à 4 chiffres, car à un moment, sur une fiche, il y avait marqué 69-60. Ah oui, effectivement, sur une des fiches que j'avais... Oh, ça m'a fait peur. Sur une des fiches que j'avais regardé ici, il y avait un code 69-69. Attendez. Non, c'est bon, pas je suis revenu au début. Hein. Ok. Ah oui, c'est lui. SCP-372-69-69. On va chercher sa cour, on est... Ah, il y a la sculpture. Oh non. Je vais cligner les yeux. Attention. Oh deux. Putain, il est là, je le vois. Ah bah, on est juste en face. Oh putain. C'est bon, je le vois. Je cligne. Vous pouvez avancer. À coup. Je fais cligner, attention. Vous êtes où? Attention. Je cligne, je vois. 3, ah. 2, 1, je cligne. C'est bon. Oh, je le regarde, je le regarde, je cligne. Ah, il est encore là. Là, je vois. Attention, oui. Je vais cligner. 3, 2, 1, je cligne. Vas-y, si tu lui passes derrière, il te regarde pas. Voilà, je cligne. Voilà. Bonjour. Donc, il y a des portes qu'on peut ouvrir par là qu'on n'a pas pu ouvrir, mais il faudrait qu'il dégage, quoi. Alors, je pense que j'ai un badge de level 2, en fait. Celui oui. Que, le truc que j'ai trouvé. Mini Rock. Okay. J'ai vu des trucs voler. J'ai vu des trucs voler. Est-ce qu'il est toujours là? Oui. 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 Ça va? Attention, je peux pas aller de balade ailleurs. Par là-bas, j'ai vu de la viande fraîche. Et oui, sinon, le code, comme Mélodie dit, et que j'avais vu la fille, c'était bien, ça serait 69-69. Bah, c'était par là, probablement. Ouais. Hop, je vais fermer. Ouais. Par précaution. Attendez-moi. Je ferme les portes au cas où. Oh. Et ça va être par là. Ou des autres. On arrive. Hop. Ouf, ça s'est fermé. Là, c'est moi qui l'ai fermé. Et c'était là. Ah oui, c'est là qu'il est venu nous chercher, l'autre. Donc t'as dit 69-69. Oui. Ah oui, les portes sont ouvertes. Accès oui. Refusé. Ah bah super. Attendez, à combien de chiffres vous avez dit? 4. 4. Attendez une seconde. C'est quoi le SCP? C'est pas un SCP ici. Ah. Attention! De quoi? Il m'a semblé voir un truc sur le mur, derrière K.O. Y'a quoi? Non, bah. Je regardais le badge que j'avais, mais y'a rien. Attendez, hein, je vais essayer de regarder en même temps. Heavy Containment. Bon, on va trouver ailleurs. Code. Tiens. Heavy Containment Zone est la deuxième zone rencontrée dans le jeu. On prend la part en français hein, quand même. C'est dommage que le jeu soit pas en français. Elle est présente dans la zone de confinement légère. Elle est strictement utilisée pour le confinement d'objets SCP de SCP de haut niveau tels que le 106 ou le 49 pour être. Le joueur doit s'échapper de la dimension de poche qui le déposera dans une des pièces de la zone, soit lever le verrouillage de la zone de surveillance pour passer le point de contrôle de la confinement. SCP-08 doit être recontenu en fermant le cartouche de gaz à l'intérieur de sa chambre. Une fois qu'il est maîtrisé, le verrouillage de la zone sera levé et permettra d'accéder à la zone d'entrée. Oui. Bouger, hein, chercher des... C'était quoi le zap que j'ai entendu? J'en sais rien. Oula. Je vais refermer les portes derrière au cas où.
C'est jamais que, qu'il y en a avec nous. Là. Là, on a déjà ouvert ici. Le SCP-500, on l'a pas ouvert. SCP-500, je vais essayer de me renseigner. SCP-FR-500. Alors, SCP-500 est un... désigne un ensemble de catégories d'anomalies situées dans la rue Macabre, actuellement toutes sous le contrôle de la Fondation. SCP-500 est une clé dorée mesurant 12,5 cm. Sécurité 4. Oh, il y en a tellement. Oh non, il y a encore le machin de le zombie là. Oh. Il va nous emmener dans la dimension. Oh non. Oh, il est là. Oh, ça sent pas bon. C'est bon, je la tire ailleurs. Ouais, mais faites gaffe. Il y avait pas l'ombre derrière? Bah, je me demande s'il a pas eu Saku. Non, Saku, elle est là. Là, je suis là. Ah bah alors c'est Naru qui l'a eu. Oui. Non, je le fais courir dans l'opposé. Oh, putain. Oh putain, quel est le con qui a ouvert cette porte? Moi, pour voir un peu... Ouais, bah là, je vais l'ouvrir. Et puis le con, il m'a lâché. Merde. Je crois qu'il m'a lâché. Là, c'est le... C'est la zone électrisée. Ouais. Petit à petit, on avance. Hein. Ah oui, zone électrique. Parce que t'as vraiment la sensation d'avancer, moi je suis pas sûr. Écoute, voilà. Déjà, on a une carte de niveau 3. La porte tout à l'heure, là, sur... elle s'est ouverte. Petit à petit, ça avance. Bah, vas-y, explorez, hein, vous occupez pas de moi, hein, l'autre je le balade un peu partout. Regardez la porte au cas où. Je cligne et j'ouvre. Elle est partie. T'es sûr que c'était cette porte? Oui. Moi j'ai plus la sensation que c'était celle-là. Tu crois? Ouais. Bah écoute. Hop, je vais ouvrir. Attends. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, c'est l'ascenseur. Ouais. Et ici, il y a une porte. Est-ce qu'on redescendrait pas dans les sous-sols? On est déjà venu ici. Oui. Oui. On tourne un peu en rond là à l'étage. Ouais. Donc par là. T'es descendu Naru ou... Ah non non, moi je fuis toujours l'autre. Hein. Ah il est toujours derrière toi. Ah il t'en veut encore. Bah il passe à travers tous les murs hein, donc Ouais. Il y a la sculpture. Quoi. Ici. Saku, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il nous chasse comme ça? Rien. Manoir coupé. Oh que j'ai trouvé une main. Ouais, c'est moi qui l'ai donné tout à l'heure à Saku, elle a jamais voulu la prendre. Ah. Bah, peut-être que la main pourrait nous ouvrir. Parce qu'il te touche. Bah celui-là TP dans un monde un peu parallèle donc. C'est ça, dans une autre dimension. Il y a des rampants ici, non? Oui. La main pourrait nous ouvrir quelques portes peut-être. Oh putain, il est là. C'est lui qui parle en fait.
Ah bah, la route, t'as pris l'ascenseur? On est juste à droite. On est là, oui. On est par là. Ah. Non, parce que je connais leur routine, en fait, ils tournent en rond. Donc il va revenir par là, en fait. Il fait jamais demi-tour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, il s'est arrêté là. Il va reprendre le couloir à gauche pour rejoindre la pièce où on était. Ah, j'ai compris leur routine. Bon, bah c'est bien si t'as réussi à comprendre ça. Là, attention, parce qu'il peut en avoir un ici. Il est à gauche. Il est à droite, je veux dire. Il va nous passer devant pour aller à gauche. Donc on va le laisser traverser. Voilà. Alors, pareil, lui aussi il tourne en rond dans la pièce. Tout à l'heure, quand j'étais téléporté, okay. C'était dans une zone comme ça que j'étais à peu près revenu. Oh. Ok. Je dis bien à peu près. Il s'arrête à tous les coins de pièce. Ouais, c'est les gardes de du château d'Hyrule, ça. Mmh. Voilà. Alors là, il faut se méfier parce qu'il y en a qui peut nous arriver en face, mais il tourne à un moment donné aussi. Donc... Parce que pareil, c'est plusieurs couloirs qui tournent en carré. Il est en face, il est en face, avancez pas trop. Par contre, je vérifie derrière parce que c'est comme ça que l'ombre m'a eu tout à l'heure. C'était ici. Il est en face. Bougez pas. Il va prendre à sa gauche. Moi à sa droite. À ma gauche. Ouais. Voilà. Vous avez vu? J'ai mindé le game. Et là on peut foncer ici et on a un autre ascenseur ici. Attends, t'es où? Je le vois. Et en fait, c'est à l'heure ici, c'est là que je me suis fait téléporter par l'autre connard. Bah, c'était aussi ici. On s'est fait téléporter avant même que l'ascenseur n'arrive. Voilà. Nouvelle zone. Oh. Alors là, on peut utiliser. Alors. Il y a une pile ici. J'ai un gobelet. Ah, j'ai une carte de niveau 1, j'ai une tasse. Tiens, j'ai un document. Ouais, tu es où? K.O. Ah, tu es où? Ah, ici. Ouais. Là, par terre. Hop. Ah oui, attends. Faut que je vide un peu me. Hop. 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 J'ai beaucoup de documents. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il raconte lui? SCP 939. Ah bah c'est les bestioles en bas. Ça imite la voix humaine. Donc c'était bien eux qui parlaient tout à l'heure. D'accord. Mmh. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais mais il y a une batterie là. Oui, je l'ai dit, mais personne. J'ai l'impression qu'on tourne en rond entre les pièces là. Ouais. J'ai l'impression aussi, oui. Ça c'est l'œuvre de la CP. Là il y a carte d'accès là. Je porte la carte d'accès. Ouais. 1162. Oh, il y a un trou. Il y a. Tu veux mettre ton doigt dedans? Quelque chose me dit que c'est pas son doigt qu'il faut mettre. Ouais. Un conseil, Saku, tu devrais refermer la porte juste au cas où. On sait jamais. Attendez. J'ai entendu comme un espèce de grognement là. Là, il y a une surveillance room à droite. Ouais. Les grognements viennent de là. J'ai une main coupée au cas où. Hein. Je vais essayer.
C'est une carte d'accès qu'il faut. Ouais. Alors peut-être. Faites gaffe quand même. Y a quelqu'un? Ah, y a personne. Là, on peut réouvrir avec une carte. Attention, Sako. Attention à tes pieds. Oh non. Si. La dame blanche, elle arrive. Quelle dame blanche? Avec le masque de peste. Oh purée, non. Ah purée, oui. Oh bah rip, hein. On va nous tuer. Ah, moi j'ai été TP par l'autre là. C'est quoi, on est plus que tous les deux. Oh putain. Non, bah, moi je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Yep. À l'aide. Merde. Attention. Merde. Aïe. Sako, ah ça va, c'est toi. Attends, y'a Sean qui est derrière, mais je sais pas s'il va s'en sortir. Il est mort. Non. Non ? Elle m'a eu. Ouais, t'as vu, d'accord. J'ai cru qu'elle allait me tuer parce que je m'étais emmêlé dans le menu là. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Ça s'est fermé. C'est oui, bah. Ah putain. Mais. Ah non, ça me ferme la porte au nez ! Mais. Hop. Là, il faut une carte clé. Moi, j'en ai qu'une. Celui avec le docteur de la peste, c'est mon SCP favori. Ça coûte à réussir à ouvrir la porte. Oui. Mais c'est pareil, il faut un code. Ah non. Ah, il faut pas de code ici. Ouais, ça va être électrique ici. Ouais, on va voir. Ouais, il est actif. J'attends l'ascenseur, je crois. Il fait peur le celui avec le masque de peste. Hein. Ouais, par contre, y a pas de code ici du coup. Ben voilà. On va essayer de vous rejoindre. Hein. Ouais. On connaît la route pour aller l'autre côté en tout cas. Bah là-dessus je te laisse me guider Naru. On va les attendre. Si on a l'air d'être safe pour l'instant. Dès qu'ils arrivent. À notre niveau, on va essayer de les rejoindre. Ouais. Sophie, tu veux explorer? Pas trop vite, attends-moi. T'es sûr que tu veux? Bah, c'est pas de ma faute si t'es un petit vieux. Je t'emmerde. N'y va pas. Tu peux me regarder. Putain, ils sont... Putain. Alors, je me souviens, il y a deux ans, quand j'avais essayé avec Shira, on a rencontré le masque de peste. Et il nous a cassé les burnes. Tout le temps. Donc, j'espère qu'on arrivera à s'en débarrasser. Ah, t'as pas trop peur? Non. Ah bon? C'est quoi cette fac de pisse à terre alors? Putain! Où ça? Naru, en fait, il fonce, il me dit rien, donc forcément la bestiole était devant nous. Ah! Oh, vas-y, va les rejoindre, moi je connais la route. Non mais c'est bon, je suis tué, il m'a tué. Ah. Ah, il va vous tuer aussi. On va essayer de les rejoindre. Au moins d'aller au... À l'ascenseur. Non, c'est pas là. C'était là. J'espère qu'on va pas croiser la sculpture. Ah non, ça va. Oh si, elle est juste en face. Ben ouais.
vous êtes toujours... On est toujours au même étage, juste après là, la zone de surveillance. Bon, je vais essayer de refaire le chemin, mais bon. C'est à gauche, hein, quand tu arrives... T'es encore là. Oui, t'inquiète. SCP-914. Oh, mais... C'est lui qui permet d'améliorer des items. Ah. Ou les dupliquer, je crois. Vous êtes où, vous? Nous, on est... Ah oui, c'est ça. Nous, on est... comment dire, tu sais, le... Bah, là auquel on... On a été tout à l'heure avec le masque de la faucheuse. Enfin, de la faucheuse, de la... De la peste. Ouais, de la peste. Et bah, nous, on a avancé un petit peu pour essayer de se sauver. Et on est là. On a juste fait une salle ou deux. Donc si jamais vous arrivez à nous rejoindre... Bah moi j'essaye en fait. Moi j'ai été tué par la statue. Ah non, ah ben. Merde. C'est un peu relou, il pourrait mettre des checkpoints quand on trouve une nouvelle zone. Oui, ça j'avoue. Alors du coup... Moi j'ai une carte de niveau 1, je vais essayer de la... Je vais essayer de la... De l'améliorer. Comment on fait déjà pour... Ah oui, c'est... Tac. Hop. Alors... Hop, verify. Redescendu. Ouais, je suis redescendu là, j'essaye de passer au bon moment, tu sais, avec les espèces de chiens là. Ouais. Ouais, bah maintenant que tu m'avais dit un peu comment ils fonctionnent, j'essaye d'analyser et de faire ce qu'il faut pour éviter de me faire bouffer. J'ai une Mastercard. Oh putain. Vas-y Saku, il y a plein de sous dessus. Ah oui. Oh 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 oh. Oh non, pas lui. Oh purée, on va devoir fuir. Je vais le laisser ouvert de toute façon. Par là. Y a pas la sculpture au moins? Non. Ah, elle est là. Oh putain. Il faudrait qu'on... Ah purée. Il arrive. Oh. Là. Bah, je t'ai fait vite la rue. Ascenseur. Oui. Là. Attention, recule-toi au cas où. Putain. Merde. Attention, il te poursuit. Ouais. Ouais, t'es passé trop vite en fait. Oh non. Non. Moi, je t'ai rappelé l'ascenseur. Ok, bah merci. Y'a l'ascenseur qui s'ouvre, il y avait le rampant juste pour m'accueillir, merde, quoi. Il m'accueille. En fait, j'avais avancé un peu trop, il est revenu directement sur ses pas. Bon, bah, tout en fait, on est plus là. Bon, attends, au moins, on connaît le chemin. Coucou. Salut, j'ai une Mastercard si vous voulez vous acheter un truc. Revive-vie et arrête de me bully, tu crois qu'on n'a pas encore assez peur là? Du coup, on peut peut-être ouvrir des. Ouais. Endroit qu'on n'avait pas ouvert ici. Là y a rien. Parce que par là on n'a pas beaucoup exploré en vrai. Et là il y a la question. Où? Non mais je vais dire tout à l'heure. Ah oui. Ah elle est en face. Super. Carte clé niveau 2. Navigateur. Oh, oh, recule. Attention. Ah bah t'es enfermé. Hop, merci. Oh putain. J'ai une carte niveau 2 du coup.
Ah bah ça va. Moi j'ai un navigateur SNAV 300. Je sais pas à quoi il sert. Oh j'ai plein de choses hein, J'ai une minimap. Quoi? J'ai une minimap. Ah. Alors, faut juste que j'apprenne vraiment à savoir qu'est-ce qui m'indique quoi. Ok, là, par là, c'est une checkpoint. Alors. Sécurité 3. Ah, alors ça coupe l'ouvrir. Ah oui, c'est la partition. Ah oui, alors normalement, ça, si je me souviens bien, dès que vous l'entendez, vous allez être aspiré, faut vite partir. Ouais. Scribe. Faut partir. C'est ça, faut vite. Vous êtes où? On est sorti. Bah, on est ressorti. Pas grave, c'est que KO. À la Lafel. Ah non, là je suis pas à la Lafel, hein. C'est pas vrai. Purée, mais. J'arrive pas à. Ah là, c'est pas grave. Hop. Au moins, on saura qu'on est venu ici. Niveau 3. Où ça? Là. En face. Oh. Ah. Quand j'avais dit qu'on avançait petit à petit. Ah oh. Attends. Omega Warhead Silo. Niveau 5. Attends. Mais Gabi, c'est pas bien de me bully. Niveau 5, on peut pas. Ah, on aurait dû. On aurait dû tester ta carte de niveau 3, la mettre en. Peut-être au niveau 4. Ah ouais, mais bon. Mais t'es un petit peu. Oula, c'est électrique là, du coup. Vous l'avez dupliqué. Bah, en fait, t'es mort, mais de l'autre côté. Ouais, ouais. On aurait peut-être pu la dupliquer. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas une lampe torche. Hein. Bah, moi j'ai lunettes de vision nocturne, mais c'est que pour moi. Là, on a une sorte de. De mag. On a deux, je crois. Objet glace, lui. Bah, de toute façon, il faut une carte d'accès. Niveau 4. Ouais, niveau 4. Ah bah. On va partir par là, on va voir. Hein. On n'est jamais venu ici. Hein. Non. Non, jamais. Ça va, Yami? Pas trop peur? Il y a un cadavre. C'est qui le con qui ment ici? Il y a plusieurs portes. Moi, la minimap, elle affiche rien. Piège électrique. Ah. SCP-08. Oh, oh, j'ai vu le nounours, là. Oh non. Le nounours, il était là, il a disparu. Il se passe rien quand j'insère ma clé. Non. Moi non plus. T'as vu où, Nuno? Il était là en entrant là à droite. Attention, statue. La statue, oh, ouais. Où ça? Oh. Ah, okay. Purée, oui. Je suis ami bar. 3, je vais cligner. 2, 1. J'ai cligné, je vais recligner au cas où. Je cligne. Bon bah on va pouvoir avancer. Attention, je vais cligner. C'est dommage parce que là où est la statue, c'est le seul endroit qu'on n'a pas fouillé. Bah après on peut y aller hein, mais il faut juste que quelqu'un qu'on.
Ouais, mais là, elle est trop collée à la porte. Ouais. Attention, je vais cligner. 3, 2, 1. C'est bon. Je vais refaire. Au pire, on ferme la porte et puis on essaye de. 3, 2, 1, je cligne. Belle journée, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. J'ai quand même, je préfère quand même mieux les vacances au bord de la plage. Hein. Par contre, j'entends des voix depuis tout à l'heure. Ouais. Alors moi, je ferme ici parce qu'on ne sait jamais. Je vais cligner. On va voir si elle est là. Ouais. Au revoir. T'as pas moyen de te casser, connard. Sinon, attends, quand je vais recligner des yeux, tu ouvriras la porte, je vais quand même essayer de passer. Attention. 3, 2, 1, je cligne. Vas-y. Voilà. Ah, c'est purée, attention. Ah purée, il y a de la fumée. Il nous faut un masque à gaz. J'en ai un. Attendez, parce que là j'ai eu les yeux irrités. Il faut que je te le donne. Faudra que, bah, au moins que tu le mettes et voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. C'est bon, je l'ai mis. Ok, bah vas-y, attention. Attends. Que je cligne. Je vais cligner. C'est bon, j'ai cligné. Vas-y. Voilà, essaye de voir ce qu'il y a là-bas. On va le laisser ouvert comme ça on peut regarder. Attention, je vais cligner. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Il y a une autre porte. Alors on va devoir la franchir. Attention, je vais cligner. 3, 2, 1. Elle est ouverte l'autre porte? Bah j'essaie de me mettre devant mais je quitte pas le truc des yeux. T'inquiète mais pas, on regarde. T'inquiète pas. Attention. Alors, il y a une autre salle. Mm-hmm. Et elle est safe, il n'y a pas de gaz. Ok, donc il faut juste passer quoi. C'est ça. On va le surveiller, tu vas passer et printer à l'autre salle. Ouais. Oh yes, Camille. Vous avez les droits pour jouer dans mon sous-sol. Oui. Attention, je vais cligner. Il se passe quoi là? 4, 3. Ah, tu colles bien à gauche et tu fonces au bout du couloir. C'est ça, tu peux y aller. La porte est ouverte, t'inquiète pas. Ok, je suis là. C'est bon, elle est passée. Ok, Naru, je vais cligner. 3, 2, 1. Vas-y, tu peux passer. Attention. Je regarde, hein, KO. Ok. C'est bon, je suis passé. C'est bon. Refermez la porte. Et voilà. Voilà. Bah c'est où que j'étais tout à l'heure en fait, moi, tu vois ça. Bon. Vous avez tous récupéré vos yeux, c'est bon? Je crois que je les ai loupés. Enfin, je les ai perdus en route. Je suis à mourir de rire. Ça passe rien là. Je vais essayer d'activer. Non. Il y a beaucoup de SCP-08 hein, quand même. Je vais juste mettre un item ici. Au cas où. Attends. Ouais. SCP-106. C'est un tabou ça. Ouais. Je vais mettre le Death Note devant la porte auquel il y avait le. Niveau 4. Oh oui, en plus c'est un quitter donc. On risquerait là. Et puis là aussi, oh, un mimique! Un mimique! Niveau 5, ça. Allez, venez. Soyez pas timide. La porte semble verrouillée. Ah. Je crois qu'on est dans une petite impasse.
Surtout ne ramassez pas le bouquin. Hein. Il est parti. Ouais. Ouais. Bah je crois que tant qu'on n'aura pas niveau 4, on est un peu keblo dans cette zone. C'est ça. Il faudrait qu'on arrive à retrouver la pièce auquel on était, Saku, pour voir si on pourrait pas améliorer notre carte. Ouais. Attention, le totem. Oh non, il est là. Ah, purée. Attention, je vais cligner. C'est bon. Je l'ai en vue. Ok, je cligne. Allez-y. Attention, alors. Je vais cligner. 3, 2, 1. C'est bon. On l'a en visu. Ah, c'est facile. Oui, il faut. Le tout, c'est de se coordonner. On n'est jamais passé par là. Attends. Vous êtes parti. On est là. Oui, mais Sean était parti par là. Et oui, effectivement, on n'était pas parti à droite. Bah, en fait, Naru dit qu'il faut une clé de niveau 4. Ah. What? Oh. Mais oui, par contre, la sculpture, elle va nous suivre tout le long, hein, ça c'est certain. Ok, on est de retour ici. GG level up, Melody. Level 22. Je me demande s'il n'y a pas un item à récupérer là auquel il y a la partition. Possible. Mais bon, c'est dangereux. Tu te rappelles où il faut aller ? Bah, la partition a été là, on est passé devant, mais c'est dangereux. Hein. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est là la partition. Ouais, la partition elle est là, ouais. Ah oui, c'était là, oui. Ouvrez la porte, de toute façon, on garde les items si on meurt. Au cas où j'ai une Mastercard. Quoi ? Ah bah, ah, on l'a pas vu celle-là. Oh putain, elle est venue derrière nous quoi. Il était juste derrière nous l'enfoiré. La salope. Tout le monde est mort ? Ouais. Oui. Après on peut se diviser en deux groupes. Mm-hmm. Parce que là la porte de la partition, elle est ouverte. Oui. Je crois. Enfin, je sais plus. Oui, elle était ouverte, oui. Pourquoi mon regard se fige toujours sur l'écran ? Oh purée. Oh purée. Quoi ? Mon regard se fige sur l'écran. Et oui. Je vois une. Merde, une. Un visage. Oh. Il est marqué est-ce que mon esprit me joue des tours. Uh-huh. Moi j'étais blessé par quelque chose mais je sais pas quoi. Ah oui. Tu perds du sang. Les gens, je vais mourir. Vous sentez que quelque chose vous espère juste à côté de vous. Il y a la peste, la peste, la peste. Bon bah de toute façon moi j'étais déjà blessé donc. Non. Tu ne mourras pas. Tu ne. Ah ! Vous avez l'impression que quelque chose vous suit. Allez, sans blague. Eh bah, moi aussi, est-ce que mon esprit me joue des tours, machin. Ah bah, ça se suit. Ouais, bah non. Ouais, non, bah. Non, quand tu tournes. Quand tu regardes vers l'écran, que tu essayes de tourner la caméra, tu. Voilà. Ouais, je vais mourir. Quelque aussi. Chose me dit que plus on va revenir, plus on va se faire tuer de plus en plus tôt. Et il nous blesse là en vrai. C'est bon, il m'a tué. J'entends des coups de fouet. Ah putain, c'est un truc qui se voit qu'avec la lunette de visée. Ah d'accord, j'ai un truc invisible. Oh, ah oui, d'accord. Allez, vas-y, tu mourras, connard. C'est quoi ce bruit? J'en sais rien, mais il doit y avoir quelque chose de pas net. Il y a encore la peste en bas. Ouais, ouais, elle est là, ouais. Voilà, vas-y. Là, on est un peu keblo.
Ouais, bah, elle aussi, elle est keblo, ouais. Hein, elle est keblo dans la table. Ah, mais... Le clavier nocturne, là, qui nous emmerde. Vous avez l'impression que quelque chose vous suit. Ah bah, c'est le monstre avec la visée nocturne, nous attend au point du spawn. Ah ouais, ouais. Bon bah tant pis, hein. Allez, viens toi là. Viens. Allez, il y en a même deux. Oh, son je vais mourir, moi, alors. Le nom du SCP sur l'écran, c'est SCP-087-B. Ouais. Ah, oui. Bon bah allez, tue-moi, de toute façon, je suis condamné. Dans les escaliers, je pense que j'avais déjà vu un truc similaire. Ouais, ce visage, il me disait bien quelque chose. Merci, Mélodie. Par contre, moi, je vais mourir là. Bah là, on est bloqué. Là, on est bloqué, on se fait tuer de tous les côtés. Ah, il nous attend au coin de la porte. Ouais. Là, il est dans la pièce là. Donc fais voilà, gaffe. Encore une fois. Qui est à côté de moi là. C'est moi. Bah fais gaffe parce qu'il y en a après toi là. C'est bon. Il y en a après moi. Alors la peste monte les escaliers. Ils sont tous dans les escaliers. Voilà. Là je vais mourir de perdre connaissance. Non mais là laisse tomber que ça soit d'un côté ou d'un autre. On va se faire tuer. C'est bon. J'ai sauté par-dessus la rambarde, moi je suis safe. Les gens, je vais mourir. Oh putain, mais vas-y, mais j'arrive pas à passer. Oh. Oui, oh bah. Oh. Oh, je reprends connaissance. On va laisser tomber, moi la peste elle m'a attrapé. De toute façon, je vais mourir là. La chaîne. Bah pareil, moi je sens que je vais crever. Voilà. Parce que le bordel invisible, ouais, il est bien placé. Hein. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Ah ouais. Ah, chier. Ils sont tous les deux dans l'escalier, nous attendent comme des putes. Je suis là derrière. Ah oui. Ouais, bah là, compliqué. Hein. Il y a la peste en même temps. Vous sentez quelque chose respire juste à côté de vous. Ah purée, moi j'ai encore le. Pour l'écran. Non, là. Mais en fait, c'est simple, c'est dès qu'on passe devant lui, c'est bon, c'est mort. Alors, il y a la peste et puis l'autre qui est attiré par moi, déjà. Je vois pas le deuxième monde. Je vais essayer d'éviter. Vous avez l'impression que quelque chose ici avec vous, mais vous ne voyez rien. Hop, allez, je vais essayer de... Hop. N'ouvre pas la porte. C'est quoi, je suis morte. C'est quoi CP049? Je sais pas. SCP... Bah, c'est ça le truc, Gabi, c'est qu'il y a des piles à prévoir aussi sur. Ah oui, SCP-049, c'est le masque de peste. Jeune, il y a la peste. Oui, je l'ai vu. Oh putain. Bah, pourquoi tu bougeais pas? Bah, parce que quelque chose m'empêchait de bouger. Bon, au moins, j'ai attiré la peste. D'ailleurs, mais j'ai été tué par la statue. Ah, mais non. Ah, fallait qu'elle soit là, elle. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Oula. Ah, merde. Oh putain, salope. Vas-y. Ah non, elle me veut. Bah, allez. En même temps, là, je me demande si ça sert à quelque chose qu'on continue, là. Alors... Pas être défaitiste. Il doit bien y avoir un moyen. Il doit bien y avoir un moyen. Moi, ce qui m'emmerde surtout là, c'est l'écran. Parce que quand je vois l'écran, mon regard est attiré dessus. Faudrait qu'on arrive à se regrouper à 4 et de foncer. Oui, Gabi. La peste a l'air d'être partie. Elle me suit, la peste. Ah, t'es là. Oui, c'est moi. Ça a l'air d'aller mieux, là. Bah, en fait, oh, putain, on l'a emmené avec nous, en fait. Mais là, ils sont tous rassemblés à un seul et même endroit. Quel bordel invisible. Oh, purée. Quoi, c'est quoi le problème avec la porte. Hop. Oh, putain.
Et c'est toujours la même chose qui m'empêche de bouger en fait. Apparemment, ça protège de la peste celui qui le porte. Le SCP-714 ? Je peux te garantir que non. Ah, puis il y a la sculpture. Ah bon ? Bah, Naru. Naru s'est fait tuer par un sculpteur. À moins qu'il faille faire comme ça. Ok, donc, Saku et moi. La peste ! Non. Ah putain. Faudrait qu'on arrive à les... S'ils protègent de la peste, il faut qu'on arrive... Il y a la peste derrière moi, Attends, je vais voir si Gabi a raison. Ouais, parce que si c'est ça, il faudrait qu'on arrive à... Je sais pas s'il est encore là, mais... Faudrait qu'on arrive à retourner là auquel on peut dupliquer les items. Ouais, il est là. Ah ouais, ça me protège. D'accord. Mais il y a les invisibles avec. Oui, oui, les invisibles, oui. Ah purée, oui, il est là. Je vais essayer de la tirer ailleurs, la peste, et puis vous essayez de prendre l'ascenseur. Ouais, on va essayer d'aller dedans. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette pièce avec moi. Ouais, bah, il y a les invisibles. Il y a la peste. Vous avez appelé l'ascenseur. Ouais. Ok, c'est bon. Je suis dedans. On est maintenant chargé pour moi. T'as l'autre qui m'a touché, donc à mon avis, là, je vais crever. Il y a les hommes verts qui vont débarquer après. On est en bas. Hein. Bah moi j'ai la peste pour le fiac. Hein. Je perds du sang. Ah purée. Je perds du sang. Bah pareil. T'avais pas... Qui avait une trousse de secours ? Ah si, j'avais une trousse de secours, oui. Comment ça marche du coup ? Alors bah... tu fais Alt et Tab et tu fais double clic dessus, je crois. Ouais ouais. J'avais réussi à arrêter le saignement. Oh Yami Karine, merci pour ton raid. Comment vas-tu ? Bonsoir. Bonjour. Les gens. Bonsoir les gens, comment ils vont ? Ouais, salut, mais le but de Gabi, oui, c'était de la tirer ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Oh y'a Lilol Moon. Bah déjà, je préfère vous dire que moi, dans peu de temps, je vais crever, donc... Je sais pas si moi, je perds du sang. C'est quoi un raid ? Ce sont des streamers qui, en terminant leur stream, nous envoient chez d'autres streamers. Voilà. Oyami Karine, how are you ? Comment vas-tu ? Non, moi, je saigne pas. Dans tous les cas, on sait où se trouve l'ascenseur. C'est con parce que du coup pour dupliquer les items, c'est à l'autre étage, on sait où. Donc c'est pas loin. Comment vas-tu Mika ? Et comment vont les gens ? Bon. Qui perd du sang ? Moi. Beaucoup ? T'as la vision qui se trouble ? Pas encore. J'espère que tu arriveras à tenir. Tu sais, je me fais pas trop d'illusions. Hein. De toute manière, là, comme je t'ai dit, Kaoru, là, je pense que là, maintenant, on a trop. Comment dire ? Je pense que ce jeu-là, en fait, tu dois pouvoir le faire d'une manière assez linéaire, sans t'arrêter, pouvoir avancer, sans te faire choper, pour arriver jusqu'au bout. Mais après, voilà, une fois que tu as un peu circulé, bah forcément au bout d'un moment t'as les ennemis, ils savent où te chercher pour te choper, te tuer. Après la bonne nouvelle c'est que ils nous suivent pas ici. Là on est descendu, du coup ils vont pas venir en bas. Ouais, mais tu sais si tu as le, comment dire, le merde, comment il s'appelle, l'espèce de truc invisible là qui touche, j'ai l'impression que ça, une fois qu'il t'a touché, c'est bon, c'est foutu.
Je connais pas ouais, du tout celui-là. Il faut une trousse de soins. Quoi. Bah, on en avait une, mais c'est Sako qui l'a utilisée. Ouais. Donc, on peut pas la partager si. Partager, je sais pas. Par contre, c'est pas impossible qu'on arrive. Qu'on arrive à la dupliquer. Si on arrive à retourner à la pièce qu'on était tout à l'heure, Sako. Ouais, mais je l'ai plus du coup. C'est honteux. Bah, fais-toi un rakiri pour la retrouver. Donc du coup là vous allez juste dupliquer la carte numéro 3 mais vous pouvez pas l'augmenter à 4. Je sais pas du tout. Je sais qu'on peut dupliquer des items, mais je sais que je peux modifier la 1 peut-être en 2, mais après je sais pas. Faudrait que Narouz, que tu reviennes à l'ascenseur. On t'attend en bas. Ah bah non, avancez. Moi j'attire la peste ailleurs. Hein. Ah bon, d'accord. Bah, on va essayer de. Attendez, il est là le frère. Vous inquiétez pas pour moi. Le frère Toy, il est là. Vous vous souvenez un peu du chemin pour... Vite fait. Ouais. Par contre, dites-vous qu'au bout d'un moment, moi, je ne pourrai plus courir. Hein. On peut y aller. Ça va, Ivy? Attention, bougez plus. J'étais tué. Ah merde. Par qui? La peste. Ouais. T'étais pas immunisé? T'as bouge plus. Si, mais j'ai enlevé exprès le machin, j'étais blessé de toute manière. Donc, ah oui. Ouais, c'est bien voilà. Lui qui. Allez par là. Et puis, tu sais, de porter l'anneau, je recharge pas mon endu en fait. Donc, Ah oui. Alors stop. Attendez. Ah oui, il peut passer là, du coup. Reculez, parce que là, il vous captera. Il va bientôt passer là. Je crois que Naro appelle l'ascenseur. Tant qu'il est pas lent, on va peut-être l'attendre. Moi, bon, vas-y, avance, je connais là. Ok. Oh, je l'ai entendu parler. Voilà. Il arrive. Franchement, le fait que des monstres parlent. Humain. Ouais, humain, ça me fait flipper quand même. Il va y avoir le SCP Ivy Pion Pion qui va arriver. T'es sûr? Je sais pas si on va survivre. Hein. Bah moi déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais crever. Mais non. T'as encore toute ta vie devant toi. C'est juste un petit bobo, c'est pas grave. Pense positif. Attends, va pas trop loin, Sako. La positive attitude. Ça va aller, Ivy, ça va aller. Ah oh ben. Dans le rempart, il va pas tarder à arriver, là, je pense. Il est au coin là-bas. Alors il faut courir. L'ascenseur est déjà là. Hein. Oh, ok, nice. Bon. Oui, c'est pas compliqué. Alors, dès qu'on arrive à la pièce de surveillance, là, faut continuer. Et il me semble que c'est la pièce à droite. Après.
espérant qu'on n'a pas la sculpture. Ça va. C'est pour ça que je regarde du temps en temps derrière. C'est... Oh non. Oh. Oh non, pas lui. Oh non, pas. Allez, viens. Viens te balader avec moi. Allez-y. C'est elle. C'est ici. Non, c'est pas elle. C'est de l'autre côté. C'est là-bas. C'est hier. Alors. Chez vous, parce que je suis dans un cul-de-sac là. Oui. Ça coupe. Mets la carte de niveau 3. Je vais essayer de la dupliquer. J'espère que je vais pas faire un train. Je la lâche comment? Dans ton inventaire, tu la glisses en dehors. Voilà. Hop. Ok, alors, donc. On va essayer. Hop. Faire gaffe qu'il n'y ait pas encore l'ombre qui sorte du sol comme la dernière fois. Ouais, puis il y a la statue hein, qui se pointe dans les parages. Ouais. Faudrait quelqu'un qui regarde la porte au cas où. Hop. Je regarde la porte. C'est quoi là? Une carte à jouer. Bah super. Ah, c'est pas bon. Yeah. Je ferme la porte. Remets-la. Remets-la. Merde. Attends. Quoi? J'ai lâché. Remets-la de l'autre côté plutôt. Attends. Intake. Attends. Output. Ouais, non. Non, c'est bon. Je vais essayer de le refaire. J'espère que. J'espère que je vais retrouver la carte de niveau 3. Ça. Pour se barrer, ça va être compliqué, hein. Ah, carte de niveau 1, ça sent pas bon. Bonjour. Coucou, Nari. On va essayer ça. On va essayer en faille. Hop. Bon, bah, je repars, hein. Alors, j'espère qu'on va pas perdre la carte de niveau 3. Youhou. Ok. Ah, c'est une carte de niveau 2. C'est déjà un peu mieux. Par contre, il faudrait que j'apprenne à dupliquer les items. On va essayer de le mettre en verifine. C'est notre ami. Qui est notre ami? Par contre, ça me ferait chier de perdre la carte niveau 3. Ok, j'ai une Mastercard. C'est peut-être pas ce que je veux. Comme ça. Moi je m'amuse comme un petit fou hein. On essaye d'avoir un item assez intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vous qui l'avez pour la bague. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah merde. Ouais, on va essayer de faire en verify. Écoute, non, pour l'instant, il n'y a rien. On va essayer un truc. Alors, ça
en train de brain la peste dans le truc de sécurité, donc je sais pas s'il y aura d'autres monstres vers vous. Je vais faire vous guider. Je crois qu'on a perdu la clé. Oh merde. Ouais. Ok, j'ai récupéré la tasse. Mettre la main. Il verra bien. GG level up à lui. Ah oui, ça va pour l'instant, tu survis. Ça commence à être un peu long. Hein. T'as une carte, Naru, KO? J'ai le niveau 2. Ah bon, c'est toujours bien. J'ai le niveau 1. Ah, t'es niveau sur 1. Moi. On peut toujours essayer de l'améliorer là. Ah, la main noire coupée est devenue une main coupée. Il n'y a pas un document pour permettre savoir ce qu'il faut faire. Bah il y a une feuille là-bas aussi là. Note du docteur L. Tiens, j'ai ça. Alors je ne sais pas. Je te l'ai mis là par terre. Je suis seulement. Je suis seulement en vie, je pense. Ou peut-être. Mais arrête de me bully. Je me sens comme si que j'avais quitté quelque chose. Ouais, mais ça m'aide pas par contre. Ah. Adenum, journal de test. J'ai l'impression qu'il y a un invisible qui va pas tarder. Ah oui, d'accord. 1 kg d'acier en raw, une pile de déchets de divers. 1 kg des vis, 1 kg de carpet tax, je sais pas ce que c'est. 1 kg d'acier, plusieurs. Et 1 gramme d'un métal inconnu résistant au... Une souris blanche à 1-1, ça fait une souris marron. Et un chimp, je sais pas ce que c'est un chimp. Ouais, alors en tout cas, une chose est sûre, il faut pas mettre de choses organiques dedans. C'est tout ce que je peux comprendre encore. Et si je mettais la note? Par contre, c'est quoi le ding-dong que j'entends depuis tout à l'heure? C'est la pièce? Le quoi? Une sorte de petite sonnerie, une cloche. Je sais pas. Ok, j'ai un origami. Bon. Je vais essayer avec la note là. Et je vais essayer de la mettre. Non, ça se passe bien les vacances en camping là, parce que c'est long. Bah écoute, il fait ses petites expériences, donc on essaye, on attend de voir. Ouais, faut bien essayer d'avoir un item. Sinon, bah tant pis, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer avec la carte de niveau 2. Ah, document SCP 173. Oula. Bon, bah, on va essayer d'avancer. Hein. Ah, je sais pas, essayer de récupérer au moins une niveau 3. Bah, le problème c'est que elle est partie en bouillie. Ah ouais mais attends, j'ai le moi j'ai le badge de tu sais de d'Emily Rose Ross. Peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Mmh, ouais, pourquoi pas. Bah, attends. Attends, on va reprendre celui-là. Oh, moi je suis mort. Ah, oh, par qui, par quoi? Bah, par la peste hein. Hop, on va essayer de le mettre en 1-1, on verra bien ce que ça donne.
une souris verte dans l'eau et dans l'huile, ça fait un escargot tout chaud. C'est beau les souris. Si ça peut au moins la dupliquer, ça serait bien la carte. Bah... J'ai exactement le même badge en fait. Ah. Bon. Ça sent pas très bon. Est-ce qu'on essaye d'explorer en... Et si on met KO dans la machine, je meurs. Je vais essayer de mettre la batterie pour voir. Peut-être qu'on aurait un truc intéressant. Faut pas mettre de choses organiques. Par contre, il n'y a plus personne qui vous protège de la peste. Une batterie. Okay. Ah bah super. Ça l'a tué. Bon bah ça coup. Ouais. Le sujet est... dit dans la sortie de cabine 914 à côté de ce qui semble être une batterie ordinaire de 9 volts. Le sujet... ah oui, j'ai eu des chocs électriques. Ouais. Bon, bah écoute. Hein. Bon bah... Let's go. Hein. Je vais essayer de venir vous rejoindre. Bon, on va par où? Bah je sais pas. Alors là, c'est électrifié. D'accord, pourquoi ça s'est refermé? Des fois, t'as des portes qui se referment quand tu... quand tu t'en approches. Je vais vous laisser, je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Merci Mélodie, passez une bonne nuit. Merci d'être venu. Si tu continues à appuyer sur ce bouton, je générerai une violation d'accès à la mémoire. Oula. Même l'ascenseur, il veut ma peau. Ouais, donc là, non. C'est malin, ça. Viens, Evie. Viens. Bon, par là, on peut pas y accéder non plus. Là, on en vient. Y a pas quelque chose ici, c'est le, badge, c'est le SCP-1123 classe safe. Ouais, pas loin. Je vais attendre qu'il passe. Il aurait fallu un niveau 3 ici. Il y a un quarter par terre là. J'entends quelqu'un qui court. Ouais. C'est pas moi. Oh non, c'est la peste. Oh non, 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 non. Oh bah allez, tue-moi et puis... Oh non, 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 non. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Pourquoi je suis plaqué contre le mur ? Ah, parce qu'en fait, ça marche comment le truc ? Arrête de spammer le bouton. En fait, tu as deux compartiments. Tu mets un objet à gauche. Tu as un petit bouton au milieu. Tu as cinq options dessus. Et quand tu refermes, ça te fait un truc aléatoire à droite. Ça te sort un autre truc. Des fois, ça change rien. Des fois, ça améliore l'objet. Des fois, ça fait. Tout à l'heure, j'ai mis une feuille de papier. Ça m'a donné un origami. Et voilà, j'ai envie de dire c'est aléatoire, mais il y a une logique. Merde, si j'appuie pas sur le bouton aussi, je pourrais pas...
Je sais qu'en mettant, je sais plus avec quelle option, mais en mettant la carte de niveau 1, tu peux avoir une carte de niveau 2. D'ailleurs, on en avait une tout à l'heure. Chaos, ton petit doigt parle trop. Pourquoi ? Il est là. Me dites pas que... Me avec dites pas une que... pièce et un portefeuille, j'ai réussi à avoir une carte de niveau 2. Oh bah GG. Me dites pas qu'il est derrière moi. Ah non, ça va. Je suis là, hein, Naru. Je suis derrière la porte au cas où. Je l'ouvre pas au cas où. Mastercard. Les messages qui s'écrivent quand tu prends les ascendants. Ouais, mais ça, c'est parce que j'arrête pas de cliquer dessus, tu sais. L'ascenseur qui me disait arrête de spammer le bouton. Je me demande si on met un plat à gâteau dedans. Est-ce qu'on reçoit un gâteau fraise? Et la gourmandise qui reprend le dessus. Ce qui me fait chier du coup, c'est que on a perdu la carte de niveau 3. Qu'est-ce que c'était? Ah, je teste des trucs là. Vas-y. Au cas où, de toute façon, j'ai gardé le numéro de l'acide. Au cas où. De toute façon, je suis derrière la porte. Hein. Il y a un monstre ou pas ? Non. Je crois que j'avais entendu la peste en arrivant, mais... Mais là, bah, elle m'a. Je l'ai semé ou alors elle est partie, enfin je sais pas. Et j'ai perdu une carte. Je vais ouvrir la porte, j'arrive. Hop. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette pièce avec moi. Oh non, purée. Bah ça me le dit uniquement quand je suis vers la porte. Hein. Ouais, bah je vais éviter d'être avec toi, parce que si c'est pour te tuer, ça sert à rien. Recule. Je titube, c'est pas normal. Non, bah dis-toi que j'étais dans le même cas tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est organique, techniquement un gâteau. Ouais. Bien, KO. Ouais, j'arrive. Après, tu te rappelles du chemin, Sako ? On est au même étage que vous, je crois. Je sais plus. Le portefeuille, on peut rien en foutre. Ah, vous êtes où, Arusaku ? On n'est pas très loin de vous. Ok, vous avez réussi à remonter ? Quelqu'un a encore une carte de niveau 2 ou pas ? Non. Non, je crois qu'on s'est trompé de chemin. Chier. J'ai la batterie étrange, mais bon. Elle m'a tué tout à l'heure quand je l'ai prise. Merde. Attends, je crois que c'était par là. Le masque à gaz, il se change pas non plus, j'ai l'impression. Non,
Voilà, on avait eu la peste ici tout à l'heure. Merde. Ah bah non, c'était pas ici. Non, non, c'était pas là, Sago. Oh non. Désolé. Non, le masque gaz, on peut pas le transformer, ça. J'ai l'impression. Voilà, c'était là. Oh merde. Non, il y a les trucs invisibles. Oh non. Je sais pas. Bah en fait, on n'est pas loin de vous, en fait. Je sais pas où on est, mais on se fait claquer par le truc invisible. Ah, moi je vais mourir. Ça a rien changé du tout, ça. Ouais, il flottait juste. Ça me fait chier parce que j'aimerais bien refaire un test avec la carte numéro 2, mais si c'est pour la perdre. T'as une carte niveau 1 toi? Non. Non, j'ai une batterie étrange, une main coupée, le navigateur et un origami. Voir si je mets la main coupée. Toi, Joe, t'as une carte niveau 1 ou pas? Non, j'avais le badge de la scientifique, mais au final. Moi j'en ai une de carte niveau 1. Ouais, faudrait que t'arrives à nous rejoindre. Ouais, de toute façon je vais mourir, je perds du sang. Vous êtes ah bah ils sont là, ils sont là. Ah on était là. Alors attends, je vais mettre la carte là. Hop, j'ai lâché la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Parce que tout à l'heure, avec le portefeuille, j'avais réussi à avoir une carte supérieure. Personne n'est dedans, hein? Non, non. Non, non. Tout à l'heure, j'avais réussi à transformer une carte de niveau 1 en carte de niveau 2. Mais je me souviens ah bah plus, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure aussi. Ouais, j'avais mis un portefeuille avec moi. Ah, moi, j'en avais pas. Là, j'ai une Mastercard. Si on met par exemple la Mastercard avec le portefeuille cette fois. En fine. Mais c'est en fine. Ah, d'accord. Bon, je pense qu'il y a peut-être des combinaisons à trouver sur internet. Oui. D'ailleurs, Coarse, C-O-A-R-S-E, ça veut dire grossier. Mmh. Carte niveau 2. Oh. Donc c'était en fine. C'est bon à savoir du coup, la carte niveau 1 en fine, ça fait la carte de niveau 2. On va essayer. Un pour un. Ça se trouve, ça peut être la dupliquer. Ça serait bien. Carte à jouer. Ah. La carte à jouer, si je la mets. Si on la remet en fine. Tu perds du sang d'un coup? Bah oui, je vais mourir, j'ai mis tout à l'heure. Ah. Ah oui. Pas comme si ça faisait 4 fois qu'elle avait dit, mais bon. Ah, mais gros. Tu feras attention quand même. Tu pourrais mettre des serviettes. Hein. Ok. J'ai récupéré la carte niveau 2. Bon, au moins elle n'est pas perdue. Et si t'essayes en fine À nous en fine? Bah la 2 en fine, ouais. Tu. Carte de niveau 3. Ah bah c'est putain. Bien. Attends, je vais faire la deuxième carte que j'ai de niveau 2 en niveau 3. Ouais, au moins on en aura deux. Et on va voir si c'est aléatoire ou pas. Ah, on a perdu Sakou. Tu connais le chemin, Sakou? Non. Ouais, ça me fait chier de le refaire. T'inquiète, suis les cadavres.
Ça reste en niveau 3 quand c'est en fine. Ah non, non, j'ai récupéré en niveau 3, ok. Bon, je prends le risque de mettre du niveau 3 en fine. Ouais. Pour voir. Ça serait bien d'avoir une niveau 4. Ben là, si ça marche, pour avoir techniquement deux niveaux 4. Ce qui n'est pas négligeable. Mmh. Non, carte à jouer. Carte à jouer. Mais du coup, tu connais le... Ouais, faut rester en fine. Peut-être que le niveau 3, il faut essayer le very fine. J'ai récupéré la carte niveau 2. Allez, vas-y, lance. Ouais, en fine. Oh ouais. Moi, je titube, mais... pas l'air de perdre du sang, je pense. Non. Maintenant, tu vas essayer en very fine. Ok. Après, si on la perd, on la perd, mais on en aura une de sécurité, on va dire niveau 3. Ouais. Mastercard. Rum passe en fine pour voir. Hop. Au pire, on peut peut-être. Ça se trouve, on peut pas les crafter les niveaux 4. Je suis en train de... C'est possible. Mais peut-être qu'on peut la trouver seulement avec le niveau 3. Et donc, du coup, il faut explorer. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal exploré. Ah oui, bah on a bien avancé, hein, mine de rien. Allez, on va pouvoir repasser celle-là au niveau 3, puis on va y aller. Quelqu'un de vous l'apprendra, ça sert à rien que je l'ai sur moi. Hein. Oui. Sean, je te laisserai l'apprendre. De quoi, la carte? Ouais. Et... C'est une Mastercard. Mastercard? Ah. Ouais. Je vais mourir, moi. Attends, je la remets. Ouais. Voilà, elle est dedans. Ouais, je vais mourir, je saigne. Moi aussi, je saigne. Pourtant, on a refait le même craft là en fine. C'est aléatoire du coup. Là t'as le niveau 2. Oh putain, fais chier. Oui bah allez pour moi. Attends, je... Ouais. Oh. Je vais... Quand vous aurez la carte, je vais me mettre dedans, vous allez essayer. Putain, Mastercard. Essayez de me mettre dedans pour me tuer. Avec la carte. Ouais. C'est pour me dire qu'au paradis je peux m'acheter ce que je veux, c'est ça. Adieu. Pas mort. Encore en vie. Essaye de passer en very fine pour voir. Moi? Bon, bah allons-y. Vous vous sentez faible à cause de la quantité de sang que vous avez perdu. Ouais. Putain, il me casse les couilles avec sa Mastercard. Ouais, je vais mourir là. Oh. Oh bah on va se contenter d'une carte niveau 2, ça veut plus faire à niveau 3. Bah tant qu'à faire maintenant. Ah c'est bizarre quoi. Ah pourtant je fais exactement le même craft hein. Après c'est peut-être aléatoire hein. Voilà je suis mort.
Hop. Ah bah elle a disparu. Oh. Ah. Non, attends, elle est là. Elle est là ? Elle a eu sa coup. Carte bleue niveau 2. Bah vas-y, prends-la, hein. Ça veut plus la faire en niveau 3. Hop. Hop. Vas-y, viens. C'est moi, ici, c'est moi, par la gauche. Je vais me parce que je suis blessé de toute manière. Donc... Tu saignes ? Oui. Ah, ah bah attends, Naru. Ah bah pareil. Ah. Ah, vous avez été tué dans le... Bah en fait, j'ai voulu me reculer et j'ai pas vu ce qui m'a tué. Ah, ça doit être électrique. Ouais. Tu disais, Sako ? Puis dans le coin, il y avait aussi les trucs invisibles. Dans l'étage. Ouais. Je vais vous donner ma carte niveau 3. Je vais vous laisser explorer là. Moi, je vais explorer un peu le sous-sol parce que on n'a pas tout exploré dans le sous-sol. Ok. Je l'ai. Hein. Mmh. Ouais. Attention la statue. Oh non. À gauche ou à droite? On va là pour l'ascenseur. Ah oui, à gauche. Non, je vais cligner. Attention, je vais cligner. 3, 2, 1. C'est bon. Attention, je cligne. Vas-y, vas-y. Ah, oh, les trucs invisibles. 3. Ah putain, ils m'ont flingué le fiac. Ah, ils sont chiants, les trucs invisibles. Bah, c'est ça. Ils sont deux, c'est ça le pire. Faudrait qu'on arrive à passer en bas. Ou pas? Non, c'est Naru qui saigne. Ok, moi je suis juste un peu amoché. Vous voulez avoir quelle carte avec la machine? La carte de niveau 4 au minimum, ça serait bien. C'est ce qui nous manque pour progresser à un certain endroit. Même si 5 ce serait encore meilleur, mais bon. Ce levier là, j'arrive pas à le choper moi. Je peux pas le prendre non plus. Non. Moi non plus. Il est où? Parce qu'il y a un endroit où il y a un autre levier comme ça que j'ai vu tout à l'heure. Ah. Et merde. Ah, il m'a eu. Et merde. Ah, il m'a tué. Ah, on était trop près. Beaucoup trop près. Ah, je lui ai chatouillé les orteils. Ah, il a clippé dans le mur, ce con. Non, moi je vais mourir. Je vous attends à l'entrée. Qui va mourir, du coup? Moi. Et merde, bon bah. Je meurs aussi. Oh putain. On avance, progressivement on avance. Ouais. Ah, c'est mais... surtout que là j'ai l'impression qu'on a tout exploré réellement. Il nous manque une carte d'accès, du moins un code. Puis on a toujours pas la clé niveau 4 quoi. Si on arriverait à ouvrir la porte, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Oh non, il m'a vu! Oh, fait chier. T'inquiète pas, on t'attend à l'entrée. Ah, enfoiré. Il faut. Je me demande si on pourrait pas trouver le code sur le net. Je sais pas, ça dépend s'il y a plusieurs codes. J'espère que non. Je vais quand même essayer de chercher. C'était quoi le... C'était une porte, c'est ça?
Ah, un code à 4 chiffres. Alors, SCP, alors ça pourrait être. C'était le. Alors, dans SCP-035, c'est 5731. Ok, ouais, y en a plusieurs. Ça dépend en fait de la porte en question. On est 3. Ouais, pour l'instant, Naru s'est pas fait tuer. Ah si si, je vous ai pas vu à l'entrée. Donc... Ah bon? Bah pourtant on y était. Bah oui. Moi je vais éviter de regarder l'écran. Hop. Parce que moi je suis déjà parti. À l'aventure. Bon bah du coup on redescend. Est-ce que tu te souviens de où était la porte à Côte-Pine? Fallait prendre direction des ascenseurs, ouais. Donc gauche. Oh bah elle nous a popé dessus comme ça là. C'était quoi? La peste. Ouais. Bon, si ça vous fait rien, moi je vais m'arrêter là parce que là je peux plus. Ouais, je commence à fatiguer aussi là. Ouais, j'ai retrouvé la porte. T'as dit que c'était quoi? De quoi? Alors. Attends que j'essaye de voir un petit peu. Essaye 5731. Accès refusé. On a 1234. Ah bon? Accès refusé. Et je suis mort. Ah bon? Bah moi je suis mort, je sais pas comment. T'es mort? Ouais, je suis mort, je sais pas comment. T'es mort comme ça? Ouais. Bah, oui. Quoi, ça te retourne l'estomac? Que l'écran me trigger à chaque fois. Après j'ai le truc 1499 qui me TP ailleurs aussi quand je m'en sers. Ah bon? Ouais, regarde. Hop, je le mets là. Ouais. Et là je suis dans un autre monde. Étrange. Et en le réutilisant tu peux revenir ou? Là, je suis toujours devant toi ou pas? Non. Et là, en le réutilisant, ouais, je reviens. Ah oui, c'est bon, je te vois, t'es là. Tu veux essayer? Ah bah écoute, ouais, je vais explorer. On verra bien. Oh, m'a fait peur, ça con. Ouais, 1499, oui. Puis j'ai le 860 aussi, sûr. J'ai 3 SCP sur moi à l'aise. Et si Ivy, sois pas en colère. Par contre, c'est creepy ici. Hein. J'ai peur. Ce n'est pas creepy. On écrit. Oh, peste. Mais bon, je suis. Vas-y.
c'est mon ami. Par contre, en face, il y a les invisibles. Ouais. Ouais, t'en approches pas trop. Ouais, je sais. Ça va, Ivy, t'as pas trop peur? Fais gaffe, t'as un invisible juste devant toi, là. Ouais, y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Moi, tu peux donner des infos si tu veux, Gabi. Hein. Oh, oui, oui. Tout est bon à prendre. T'es tombé où? J'ai utilisé le masque. Normalement, tu retombes au même endroit où tu l'as utilisé. Je vais encore explorer un petit peu. Je vois. Je vois des pyramides là-bas, enfin des petites pyramides. C'est nouveau, mon nouveau meilleur ami. Non. T'as tué? Ouais. Je vais réutiliser le masque. Je transférerai dans un autre avec notre CD. Je peux vous nuire pour cette menace si vous restez ici pendant les 4 degrés. Je vous attaque. Ok. Ouais, okay. En gros, il sert à rien. Ouais, bon, bah, je vais sortir. Si tu restes trop longtemps, tu te feras attaquer. C'est peut-être pas le bon. Peut-être pas le bon feeling. Ouais. Après, pour me sauver, si jamais je vois. Genre le masque. Enfin, le masque de baisse, je suis là. Hein. Je sais pas qui est passé devant moi, mais. Ouais. Mais. Ah, bah, c'est toi. Bah, il reste plus. Saku, elle est morte. Ah. Ah. Viens. Ouais, je vais quitter la partie, moi. Ouais, bah de toute façon, vu l'heure, ça va être la fin. C'est vers moi, KO ou pas? Ouais, je suis là derrière toi. Viens, il y a une porte niveau 3 là qu'on n'avait pas ouverte. Ouais. Au fond, va au fond, je m'occupe de lui là. J'ai l'anneau. J'ai l'anus! Par contre, il est chiant de. De pas nous lâcher celui-là. Bah heureusement que j'ai trouvé l'anneau tout à l'heure. Ouais. Il y a quelque chose dans le truc. C'est quoi que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis pas fou. Ah si, mais. Il y avait quoi dans la pièce du coup? Bah je peux pas l'ouvrir moi. C'est pas toi qui avais la carte niveau 3? Ah si, pardon, autant pour moi. Par contre, vu que Adrie Saku a quitté, il faut reprendre là où sont ses objets en fait. Elle avait quoi sur elle? Je ne sais plus. Alors, je vois deux spots. Il y a une ambiance vraiment bizarre quand même. Deux spots qui éclairent un mur. C'est quand même plus amusant l'étal. Oh, j'aime bien SCP, c'est juste que... Ah là, c'est sûr que là, tu dois trouver un moyen de t'échapper. Bah, c'est une ambiance plus... Ah, je sais pas. Alors, en fait, c'est pas contre le jeu, mais en fait, moi, c'est, je peux pas parce que c'est une ambiance beaucoup trop fermée, en fait. C'est ça. Comparé à Lethal Company, de temps en temps, bah, on a la... En fait, ça y va crescendo, tu sais, avec le fait que ça va en extérieur, et de temps en temps, bah, forcément, en extérieur, t'as la lumière, t'as la sensation de... qu'il ne peut rien t'arriver une fois que t'es en extérieur, à part si t'as un mimique qui te poursuit. Ouais. Mais là, sur ce jeu-là, en fait, c'est le fait d'être sans arrêt clôturé avec la même menace
qui te tombe dessus. C'est ça. Je sais qu'il y a des moments où tu peux être en extérieur et tout, mais il y a aussi le truc de la découverte. Hein. Oui, c'est sûr, mais là, je sais pas, le fait d'être dans cette ambiance pendant ces 3 heures là, c'est à la fin, tu. Ah, c'est pesant, ouais. À la fin, tu dis non, c'est bon. Là, je préfère vous dire, c'est pas que j'ai. Encore l'état enfin... de compagnie, je peux y jouer jusqu'à minuit si vous voulez, mais là. Là, je préfère vous dire. Au bout d'un moment, t'as la gorge qui. Je peux pas supporter. Là. Moi, j'ai la gorge qui commence à serrer et ouais, c'est. Passe. T'as un peu de la claustrophobie qui c'est arrive, ça. Tu sais. C'est ça. T'as vu, Gabi, c'est les mêmes personnes qui se foutaient de ta gueule tout à l'heure. Ah, c'est... je dis pas que j'ai peur. Je dis juste que au bout de quelques heures, t'as plus trop envie de rester sur le jeu. Quoi. C'est ça. Au début, ça va, mais au bout de 3 heures, tu. Ouais, au quand bout de quelques heures, tu dis bon, on va changer de jeu, on va arrêter. Gueule, laisse tomber, c'est oppressant, ça devient. Enfin voilà, tu c'est dis ça. Non, faut arrêter quoi. J'ai trouvé un code KO, c'est 2323. D'accord. Si tu peux retrouver le rapport. Alors c'était. Moi, j'ai dans l'autre dimension et je suis prisonnier. Alors à gauche. Devant l'ascenseur, c'était. C'est quoi? C'est qui? Ça peut pas être. Si tu vois un cadavre orange, ça doit être Saku. Je vois quelqu'un qui est en plein milieu du. Ouais, bah c'est le reste du joueur de Saku. Ok. Je prends quelques items. Globe, oh goutte oculaire, combinaison. Ah, oh, j'ai une combinaison. Moi perso, je lance ça va. Après alors... le truc c'est le moment de la découverte, hein. C'est normal qu'on galère au début, mais quand... je pense qu'une fois qu'on connaît mieux le jeu, ça va quand même plus vite. Comme alors... je dis, il y a quand même des moments où on est à l'extérieur et tout, donc c'est juste que là on n'arrive pas à progresser parce que on s'y est mal pris dès le début. Je pense. C'est ça. Peut-être. Puis je pense que si on faisait des groupes de 2 qui explorent un peu partout, tu vois, on progresserait peut-être un peu plus vite aussi. Ouais, je sais pas. Bah, l'ambiance globalement, tu vois, c'est au bout d'un moment, au bout de quelques heures, tu te dis bon. C'est aussi le gameplay qui me plaît le moins, qui me plaît moins. Ah, c'est sûr que là, tu fais que chercher. C'était combien 23, tu m'as dit? Ouais. Ouais, tu tournes en rond. Non, c'est refusé. Sûr que bon, l'étal est un peu plus sympathique, on va dire. Bah, là, après, c'est vrai, pas le même jeu, je sais bien. C'est pas comparable, je sais, mais bon, c'est quand même plus fun. Bah, parce que là, c'est comme si tu essayais de comparer Gran Turismo à Mario Kart. Oui, je sais bien, mais voilà. C'est quoi ici? Mais c'est aussi pour te dire que tu vois, en fait, Naru, moi, je pourrais voir ce type de truc en film d'horreur, ça passerait, mais crème. Mais là, le vivre comme ça en. En étant toujours sur le qui-vive, c'est pas possible. Moi, j'y arriverai pas. Ah, c'est sûr, c'est oppressant. Hein. 57. Ouais. Je sais pas, moi, je me suis pas senti oppressé de la soirée. 31. Oui, ouais, voilà. Au bout de quelques heures, c'est. Bon, t'as envie. Ah, bah, c'est pas non plus le jeu qu'il faut jouer tous les jours. Ça, c'est non, c'est pas ce que je dis, mais voilà, tu fais une session de quelques heures. Bon. Par contre, voilà. Hein, parce que quand tu saignes, il y a quand même très longtemps avant de crever. Quoi. Ça dépend ouais, de ton niveau de. Voilà. Et puis ça dépend aussi de la blessure qui t'a été infligée. Exemple, quand c'est le truc visible, je sais que tu mets un bon moment avant de crever. Qu'est-ce qui pourrait y aller en code? Ouais, il n'y a aucun code qui passe là sur le. Ouais, je sais pas.
Heavy containment. J'ai entendu un bruit. Oh putain, non. Ah. La copine. Putain. Copine la peste. Ah, puis elle ouvre les portes aussi. Ah non, elle passe à travers, c'est pas pareil. Ah non, elle les ouvre. Non, je l'ai vu ouvrir une porte tout à l'heure. Ah ouais, elle les ouvre. Ah, moi je sais pas, elle passe à travers les murs tout à l'heure pour me faire. Oh merde. C'est bon, je l'ai. Je suis tombé donc je sais pas. Ok, je suis dans l'autre dimension. Ah. C'est là que j'ai trouvé le code 2323. Ah, toi t'as vu la sculpture. Bah oui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Bah disons qu'il y a un moment donné, il y a trop d'SCP dans. Genre se taper les deux invisibles et la peste là qui t'attendent au point de spawn, tu vois, ça t'a un peu relou. Ouf. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Tu sais pas où tu vas, mais t'y vas quand même. C'est ça. Mais bon, je comprends pourquoi Gabi déjà a lâché prise. Je suis dans un cul-de-sac. Ah, je l'ai eu ce chemin là, faut pas que le bloc il te touche sinon t'es mort. 106 qui était. Je sais pas où je suis. Ah, je me souviens. Avant c'était je sais pas où c'était je vais, là auquel... je sais pas où je suis. C'était là auquel il y avait la salle avec le masque. Oui. Bon, ça va, tu t'en es sorti. Parce que vous portez une combinaison qu'en vraie matière. Est-ce qu'en vraie matière? Ok. Hop. La carte a été insérée dans la fente, mais rien ne se passe. Eh merde. Bon, en tout cas, je suis reviendu. Ah oui, c'est le livre. Le masque, c'était avec une carte de niveau 5, je crois. Donc, je peux pas du tout passer par là. Ah, il faudrait qu'on arrive à couper l'électricité quoi, pour traverser les faisceaux lumineux. Faisceau électrique là. Ah, cool. Alors, là, par contre, je me souviens plus du tout du chemin de tout à l'heure. Ah, oui, non, c'est pas là. Apparemment. Ah mais je sais pas comment. GG level up Gabi. Là c'est l'ordinateur. Pour ne pas être tué par elle, vous devez la déclencher en y prenant. Oh putain, il m'a fait peur lui.
Ah bah voilà. Il fallait que je cligne des yeux au même moment. Ah oui, c'est ballot. Ah putain. Hop, je suis là, Anao, je suis à l'entrée. Bon allez, ce sera ma dernière tentative. Dernière tentative, allez hop. Ouais. Pas traîner trop tard. J'aurais bien continué, mais bon, vu que je stream demain, faudrait quand même que je me repose. Hop. Vas-y. Par là. Du coup, apparemment, il y a un moyen de passer, c'est ça? Ah. Oh putain. Ouais, il a spawn juste derrière nous. Hein, c'est... Ouais, ça compte pas là. Hein. Aussi, t'es mort? Ouais. Ah oui, j'ai avancé, il m'a. Salut! Oh non, 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 pas toi, non. Oh putain, non. Vas-y, 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 m'a tapé, moi. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Ah, t'inquiète, voilà. Ah, c'est lui, là? C'est le sorte de zombie, là. Bon, lui, ça va, il fait que TP. Par contre, moi, il marche dans les airs, hein, mais... C'est bon, il m'a lâché. Ah non, il m'a pas lâché en fait. Vas-y, fonce, fonce, il en a après. Je suis à l'ascenseur. Vraiment, il m'a TP dans son truc. Hein. Ah bah, je suis mort. Ça, c'est vite vu. Vas-y, fuis. Ah, maintenant il y a le masque qui me... La peste qui me suit. Ouais, prends l'ascenseur. Ah, prends l'ascenseur. Ah, je sais pas si tu voulais prendre l'ascenseur toi ou quoi. Je sais pas justement, je savais pas si on devait essayer de retourner au... En bas ou... Bon allez, hop. De toute façon je peux plus, il est en train de me courser. En fait moi j'ai été le tank du... toute la soirée. T'es parti où? T'es descendu? Oh merde, non, ah, je vais me faire prendre par le... Soit par les... Oh, il m'a pas eu. Oh. Il m'a pas eu. Le masque de peste. On va prendre c'est l'ascenseur. Bon, j'ai mis la protection. L'ascenseur? Ouais, c'est l'ascenseur. Ah ouais, il est là. Moi, il était pas là, moi. Ah bon? Ah, moi, il est ouvert. Là, il est là. Il y a un endroit que j'ai vu tout à l'heure dans le sous-sol où il y a trois portes, mais on peut pas les ouvrir. Je me demande si les mains qu'on a récupérées tout à l'heure... Elles peuvent pas servir pour ouvrir certains accès. Ah, je sais pas du tout. Et où? Là, je suis là, je suis là, je te suis. Moi, je te dis, je suis sûr que les poignées là, il y a moyen d'y. Là, il y a. Les poignées de tout à l'heure, là, les espèces de levier. Il y en a peut-être une autre, hein, quelque part. Ah pareil, qu'est-ce que je suis. Oh, bordel. Elle était trop près. Ouais. Il s'est encore fait bouffer. Là, je me suis fait avoir comme ça tout à l'heure aussi. Je voulais voir s'il arrivait, puis... Ah oh bah merde. Ouais. Ah bah oui, il était là. Ah bah zut. Je vais te montrer l'endroit sur mon... Ouais, je le regarde en même temps.
Attends juste que lui il bouge là. Je vais voir quand même si. Parce qu'il y a cet endroit là aussi. Je sais pas si on meurt sur ce truc là. Allez, KO, faut aller dodo. Ouais, je vais pas tarder. Je vais pas tarder. Hein. Non, mais de toute façon, lui, il me pourchasse, lui. Hein. Il. Le masque de peste. Hein. Voilà, il y a des portes là. Ah oui, le masque à gaz, ça donne de l'endurance. J'ai quand même essayé au moins d'aller à l'ascenseur histoire d'être tranquille. Le temps qu'ils viennent, je pense qu'il y a moyen que. Attends dans le couloir, là où il y a le deuxième ascenseur. Ouais. Ok, je suis dans l'ascenseur. C'est bon. T'es au deuxième ascenseur, c'est ça? Dans le couloir qui mène. Ok. Aïe. Oh non, 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 non. Oh putain de merde. Des remords? Ouais. Mais ouais, ça, c'est parce bon. Que t'as été trop vite aussi. Ouais, t'as été trop vite. Attends, je vais te montrer via mon stream du coup le coin. Ivy, je vais te mordre. Moi, tu bouges? Ouais, puis on m'a bullé au même moment. J'ai paniqué entre ma flèche du haut et ma flèche du bas. Du coup, bah. Capoute. Oh, y'a. Ouais. Tu vois, là, y'a une poignée comme là-bas. Ouais. Et là, t'as des grandes portes. Ivy, je vais te ban. Oh putain, et maintenant il y a la sculpture quoi. Là t'as des grandes portes ici. Ouais. Ouais, peut-être que ça mène à un autre. Et au fond t'as une autre porte là, Storage Area 3E. Mais t'as aucun bouton. Le seul truc que t'as c'est. Une espèce de manivelle là, mais. Non, on peut même pas interagir avec Gabi. Ah oui, il y a les deux. Oh purée. Oh putain. Ah, il t'aime bien, il veut te faire des calinous. Les calinous, c'est réservé à certaines personnes. Viens faire un câlin. Les calinous, il n'y a que les élus qui peuvent. Tu veux un petit calinou? Il arrive là. Je l'entends. Regardez-le, il y a une sale tronche. C'était quoi à droite? Comme les gourons dans Zelda, quand ils veulent lui faire un petit câlin. Ah oui. Il va faire un petit câlinou. Oh, et maintenant l'autre il m'a tué. Bon, allez, c'est bon pour moi. Même sans le voir, il y a le. Ouais. La sculpture qui m'a tué. Ah, ça devient compliqué là, il y a plusieurs mobs. Après, peut-être que. Vous savez, la pièce qu'on avait. La pièce blanche qu'on avait ouverte et qu'on n'a jamais refermée. Si ça se trouve, l'invisible là, il vient de là. Hein. Peut-être. En fait, c'est nous qui l'avons libéré. Peut-être. Peut-être, après. Je vais tester un truc débile. Ouais. Attendez, je vais mettre juste. Je vais afficher ton. Ok, ça. Je vais afficher. Ça, direct. Hop. J'affiche au moins ton chat. Enfin, ton stream. Ah là là. Je suis tout seul sur la partie. Oui, non, oh, enfin, je suis mort, j'ai pas encore réapparu. Ah. Je suis mort. Y a pas à dire, avec une vision nocturne, on voit nettement mieux. Hein. Oh, largement, oui. Et c'est le but d'une vision nocturne en même temps. C'est dommage que on n'a pas réussi à dupliquer les items. Ouais. La peste. Ouais, mais le souci, c'est que quand j'utilise la bague,
plus tendu. Bah ouais. Il s'appelle Bubonne. Bonne. C'est la peste bubonique. Lol. Écoute, il est presque minuit. Moi j'aurais dit que son nom de famille c'est De Gaz. Ah, et puis bonne de gaz. Hop, bah tu sais quoi, et on va faire mieux. Hop. Les gens, on va mettre le... Je vais faire le raid chez Naru. Oh, il y a un truc qui t'est tombé dessus. Ouais, j'ai pas compris. Je fais le raid chez, oui. Chez Naru. Nous, on va s'arrêter ici. Et puis demain, on finit les quêtes de la quête de DPS mêlée. Oh, qui n'est pas bon. De DPS mêlée sur feu. Et puis voilà. Passez une bonne soirée. À tout de suite chez Naru sur le chat. Et à demain. Ciao. Bye bye. Bye. J'ai level up, Gabi.